Toi, ta case, elle s'est fait fouiller. Ouais. Bon, avec you. Hey, bonjour tout le monde, bienvenue dans Je vois le casque. Yeah! Yes! Épisode 35? Oui, ouais, 35! Yes, 35, est-ce que tabarnak! C'est un chiffre ben, pas rond, mais... Ben quand même! Un 5 dedans. Ouais, c'est pas pris par 5 aussi. C'est des malade. Noces... ouais. C'est-tu des noces de je sais pas. D'argile, diamant, genre, de platinum. De platine. D'adamantium, comme Captain America. Oui. Ouais. Shit. Des noces blondes platine. J'ai écrit tantôt celle-là. Platine avec des mèches. Oui. Si Martin et Matt nous écoutent, on te la donne celle-là. Oh, ouais, ouais, mon gars. Tu prends là mon truc. Ben, par exemple, ça nous prend un chèque, calice. Ouais. Rien de gratuit dans la vie. Rien de gratuit. Je vais en profiter pour remercier Benoît Breton d'avoir partagé deux fois notre podcast. C'est vraiment cool, mon gars. Merci. Ah, il est solide, pour vrai, Benoît. Ouais. Il est solide, hein, Benoît? Oui, ah, ouais, Benoît. C'est solide, les filles, ben, ouais, filles qui écoutent, là, ajoutez-le sur Facebook, là, puis laissez-les vous enculer. Ah, ouais? Ouais. Vous allez voir, il y a un esti de graines, mais oh, il est doux. De graines, il est doux. Il est doux, puis rough en même temps. Oh, il est parfait. C'est un drôle de mélange. Il est juste dans le right move tout le temps. Genre, tu sais, il feel la fille, puis il est OK, rough, non, smooth. C'est genre, il va t'étrangler, puis te donner des becs ses oreilles en même temps. Ouais, c'est ça. Mais je connais ça. Il va t'envoyer des becs soufflés pendant qu'il t'étrangle, genre. Il essaie de faire son gars poétique, genre. Il est comme, genre, il compte un poème pendant qu'il l'encule, puis il l'étrangle. Il fait juste genre, je t'aime, pendant qu'il l'étrangle, genre, puis qu'il l'encule. Mais il chuchote vraiment. Moi, je connais une fille qui a Benoît Breton dans ses amis Facebook, puis quand j'ai ouvert leur conversation, c'est juste lui qui est comme, salut, hey, salut. Hey, salut, ça va? Puis elle, répond jamais. Puis comme, hey, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Salut, hey, oui. Réponds-moi, calice. Puis pas laisser l'arrêter, tout le kit. Ah, ben il est en dedans maintenant. Ouais. Parfait. Hey, ben, tu peux le partager en prison aussi, le podcast. Il n'y a pas de trouble, mon gars. Yes. On les prend, les auditeurs, merci, même Benoît. Ceux qui ont failli à leur tâche puis qui sont fait pogner. Ouais. 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 C'est pas grave, vous allez avoir une deuxième chance, même sortir. Vous allez avoir une deuxième chance. Ouais, au pire, quand tu feras du porte-à-porte dans le quartier pour annoncer à tout le monde ce que t'as fait parce que t'es obligé son loi, ben on te saluera tout, ça serait cool. Oui, on va t'aider, Benoît. On va t'aider. On va t'aider. On va te prendre sous notre aile, puis à ta façon, on va t'enculer. Long dick style. Ah ouais. Bon, fait que partagez, si on va vous donner un petit moment comme ça. Oui, ouais, ah, ben oui, exact. Ben oui. Ouais, fait que c'est ça. Donc, allez liker notre page Facebook si vous ne l'avez pas fait encore. Puis si vous pouvez, abonnez-vous sur YouTube, sur whatever la plateforme que vous écoutez. Puis si sur iTunes, si vous êtes capable de donner nous 5 étoiles, comme ça on monte des rankings. Puis j'ai écouté des podcasts qui disaient que ça changeait de quoi. Fait que j'ai l'impression qu'il doit avoir un impact. Ouais. Chaque podcast, il demande, donc on va faire pareil. Quand tu as 5 étoiles à la fin, là, mettons sur toutes tes reviews, genre, je pense qu'il t'a envoyé une fille. Mais je suis pas sûr, genre. Par la poste, elle est morte, genre. Tu ton ami. Ouais, ouais, elle peut-être décédée. T'as envoyé un mouton vierge. Moi, j'ai toujours dit, une plot, c'est une plot, puis une plot, c'est pas drôle. Est-ce que j'aime comment que tu l'assumes à Star? Ça pas tout des gens du monde. Ouais. On t'a juste pas laissé de chance. On t'a pas laissé de chance. Tu l'as juste adapté. Non, putain, vous y avez pas laissé de chance. J'ai quand même dit, gars, là, pour vrai, les filles en général sont pas drôles. Bon, on a une quote de toi qui dit ça, Phil. Oui, ouais, je sais. Ça a jamais été repassé dans le podcast. On reviendra. Oui, 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 c'est non, ça. Non, non, jamais. Ouais. C'est vrai, tabarnak. Ben là, écoute, c'est sûr, les filles sont moins drôles un peu. Ouais. Ouais. Ben, il y en a des drôles. Surtout mais il y en a moins. Pas non, il y en a pas. OK. Ah, peux-tu continuer, là? Ça me tente de parler des astuces plottes, là. Hein? Bon. OK, on va présenter l'équipe. Ouais. Ceux qui le regardent avec le visuel, vous aurez remarqué que Matt n'est pas là aujourd'hui. C'est non. Nathaniel qui est à la console. Yeah! Ouais! Yeah!
Puis pendant, je voulais insulter Matt, mais je me suis juste rendu compte. Tu sais, le struggle qu'il parlait, genre de gosse à console, de sa pique pis tout, pis il paniquait. Mais c'est vrai. Fait qu'il y avait un bon travail, Matt. Ah, j'allais finir en disant, ouais, c'était de la merde. Ça va super bien. A1, je comprends pas ce qui se passe dans sa crise de tête. Mais... Je voulais en profiter pour dire, on avait dit qu'on était supposé avoir Alex BL aujourd'hui. Au début du dernier épisode, c'était le cas. Pis j'ai comme 4h30, il m'a dit que finalement, il était malade. Fait que... Il sera pas là. Non, il est pas là aujourd'hui, désolé. On va recommencer la semaine prochaine. On envoie nos salutations à la famille. Ah oui, on le salue. Toutes mes condoléances à la famille BL. Ouais. Victime de la diarrhée. C'est littéralement BL. Non, je pense que c'est Boutin. C'est Boutin puis une autre famille. Ouais, mais c'est Laurent sur Facebook, c'est BL. Mais ce qui est malade, c'est que sa blonde a rencontré un nouveau gars puis il a porté des tomates. Pis elle a capoté parce qu'elle a fait un BLT. Oh my god. Burning down the house. Holy shit. Boom. Coming as a rider. I'm scared again. Of you motherfuckers. Hey, ça va piquer, gang, pardon. En fait, ce que vous écoutez pour la semaine qu'on enregistre, c'est un enregistrement complètement différent d'un épisode un peu sous qu'on a fait au début de notre existence. C'est parce que notre enregistrement aura pas marché. Ben, c'est des choses qui arrivent. OK, faut que ça soit rien de le dire dans le fond. Exactement. Ouais, là, tu viens ouais. de. Écoutez, de peinture. Ouais, la fois qu'il sortirait pas, ben, je vous donne les consignes là-dessus. Ouais, c'est ça. Ben, gars. C'est comme d'écrire à un aveugle. Hein. Bon, j'ai même moi maintenant. C'est pas grave. On a monsieur Philippe Lalonde. Yes! Yes, Calis! Yes, Calis! Dieu! Sont-tu drôles, les filles? Non! Yeah! on a monsieur Justin Wallet. Yeah! On trouve drôle les filles, OK? Et notre animateur, le gars qui a vraiment amélioré ses plugs du show, Marco Lalonde. Oh, yeah! Yeah! Il est là encore. Toujours. Il est toujours là. Flo, aujourd'hui, je suis un peu scrap parce que c'était ma fête hier, puis ça a un peu viré. Bonne fête, Marco. Un petit peu, beaucoup, merci. Ouais. Ouais, c'est vrai, bonne fête, Marco. Ben, encore. Merci, bonne fête encore. C'était hier, vous me l'avez dit hier, les gars. Ça fait 27 heures qu'on dit ça non-stop pendant un repeat. Ouais, on aurait dû s'arrêter à 26 parce que c'est ton âge. On s'est arrêté à 26 ans. J'ai pas 26. J'ai 30. Ça fait quoi de penser que t'as rendu, t'as dépassé le corps du centenaire? Bon. Honnêtement, je m'en calais un peu. Bon. Statistiquement parlant, il te reste 50 ans à vivre. 26, là, c'est un chiffre crucial. Ouais, mais je pense que je serai pas dans les statistiques. Moi, je mourrai jamais. Il te reste un an pour qu'on se rappelle de toi avant de partir, Marco. Ah, c'est vrai. L'année prochaine, ça va être. Ça devrait être la dernière, dans le fond. Les gens, mais au pire, il reste toujours l'option du suicide si jamais mon corps, il t'offre la run. Les gens meurent. Parce que le problème, c'est que je mange bien puis je m'entraîne, genre, malgré le fait que je bois beaucoup. Mais je pourrais arrêter tout ça d'un coup. Ouais. Puis, au pire, genre, tu sais, je peux commencer à faire de l'héroïne. En général, le monde t'offre pas trop longtemps, puis ils font des overdoses. Genre, prendre deux chacun toaster aussi, c'est une bonne idée. Généralement, ouais, généralement à 26 ans, t'es mort socialement, genre. Ouais, ouais comment, c'est là que ça s'arrête pour toi. C'est là que le monde décide d'avoir des enfants. J'ai pas d'enfants, je suis pas mort socialement, puis j'ai encore une vie un petit peu. Est-ce que t'as des biens matériels que tu pourrais perdre, puis qu'on pourrait juger que ça a gâché ta vie? Que je pourrais perdre ma guitare. Ok. Ouais. Ok. Ouais. Ça te ruinerait, c'est bon. Ouais. Comme correct. Ça, mes gants de boxe. Ouais. Ouais. Mais tes gants de boxe, pour ta fête, on pourrait les colisser dans le feu. Ouais. Puis t'en racheter d'autres. Ah, ben, si tu m'en rachètes d'autres, ça me dérange pas. Je veux une bonne meilleure aération, là. Tu sais, ceux qui sentent pas le cul à la fin du training. Ah, c'est impossible. Ils ont jamais pensé à ça. Ben, oui, il y en a qui ont de l'aération dedans, là. Mais tu sais, ça reste quand même genre. Tu sais que le calice, puis toute ta sueur se ramasse dans les gants, là. Ouais. C'est comme une poche de hockey, là. Tu peux bien amener ça avec une passoire. Ça va sentir le calice pas neuf. C'est comme une poche point, en fait. Ça sent vraiment le tour de poche. Genre, on s'est pas lavé longtemps. Parce que même le coach disait que, genre, tu sais, il a vu bien les produits que le monde vendait pour mettre dans les gants, puis que supposément ça sentait plus après, puis il était là, genre, tu sais. Il dit, je me suis même fait approcher dans la main, puis il était là, pour vrai, il dit, au pays de moi, une coupe d'échantillons, mais le fais au monde, puis le monde va voir, là, mais il dit, j'ai jamais vu un calice de produits qui fonctionnait, là. Ouais. Ben, c'est trop mal, intense. Ça sent le petit cul, là, fait que tu l'acceptes, tu te laves les mains après, là. Ouais, exactement, là. Tu prends une douche anyway quand t'es. Ben ouais, t'enlèves ton chandail, t'as de la misère à l'enlever à la fin du cours, il est tout trempé. Surtout de ce temps-ci, là, il fait chaud en esti, là. C'est genre humide, là. S'entraîner dans un. Ah, il fait chaud au Québec, pareil. Ah, il fait chaud. On a tué une été de cul, là, il fait chaud. Est-ce que là, ça, c'est l'hiver. Hey, qu'est-ce qu'on a en orange?
Qui est tanné de la construction ici? Oh, oh, je suis tanné des chantiers, ça. Là. Moi, j'enlèverais tous les chantiers. Chris. Y en a-tu d'autres qui sont tannés de payer de l'impôt? Et Chris, qu'on en paye, hein? Hey, on dirait le gros à Pauquin, qu'on lisse. Bon, bon. Ça s'est soufflé assez vite. Ouais, fait qu'en sujet d'intro, j'ai trouvé une histoire qui s'est passée mardi à Oklahoma City, aux États-Unis. Les policiers recherchaient un homme ayant pris la fuite après un accident de la circulation. Ils sont alors rendus à son domicile et sont tombés sur son fils. L'homme âgé de 35 ans était sourd. Puis il tenait dans une main une tige de métal de 60 cm de long avec à l'une de ses extrémités une boucle en cuir. Excusez-moi, j'étais un peu scrabble de la merde. Une boucle en cuir, oui, ok. Une boucle en cuir, oui. Ouais, une boucle en cuir. Pensant qu'il s'agissait d'une arme, la police a fait plusieurs sommations et comme le suspect n'obéissait pas, un des agents a tiré sur le tendon avec un taser gun, puis l'autre l'a tiré avec une balle. Wow, parce que ils sont pas parlé en calice, ces deux-là. Ah oh, ouais, hein. Oh, ils sont pas entendus sa tactique employée. Fait que le gars, il était juste sourd, il attendait pas ce qu'il disait. Puis il s'est fait tirer dans le dos. Il s'est fait tirer, ouais. Combien de fois, genre 5 tirs de sommation, genre? En arrière de la tête. Je sais pas, il est pas... Il tirait 5 tirs de sommation. En arrière. C'est-tu qu'elle est bonne, celle-là? Je vous somme d'arrêter. Bou, 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 ouais, bou. Arrêtez, monsieur. Il est mort. Je crois qu'il vient... Ça sert. À... Fait que, dans le fond, MacDiel Sanchez est mort sur le coup. Des voisins auraient pourtant tenté de prévenir les policiers en leur criant « Il ne peut pas vous entendre. » Ah, bon, ben, hein? Ils ont-tu tiré les voisins aussi? Sûrement. Il avait de la drogue! Tire les voisins, tire le chien. Il tire et il laisse un gun à côté. « Ah, oh, il m'avait volé mon gun. Oh, mais quel gun tu l'as shoté? » Fuck! Ah, il s'est tiré lui-même 4 fois dans le dos. Vous croyez qu'il est mort? C'est de la cervelle qu'il y a sur le mur. Oh merde! Il y avait un prank. Je pense que Matt a déjà parlé ici, mais les mondes faisaient pour les streamers de jeux vidéo comme d'appeler la SWAT en disant qu'il y avait un gun. Oui, oui, que oui. La SWAT défonce la maison puis arrête le monde. Sauf que c'était. Ouais, compilations complètes, c'est colossalement drôle. Là. Comment ça s'appelle ces compilations-là? C'est genre SWAT prank streamer. Ah! Oh, oh, c'est mon gars, faut jouer ça. Mais c'est drôle. Ils pognent l'adresse IP genre, du monde puis ils font genre, ouais, à telle adresse, il y a quelqu'un avec des guns, nanana. Je veux des. Mettons des vidéos sur YouTube ou whatever. Ouais. Puis là, la SWAT débarque là pendant que le gars est en train de streamer, sauf qu'il y en a un qui. C'est parce que ça, il y en a un qui ça s'est pas bien passé, ça fait que la SWAT l'a gonné. Ouais, c'est ça. Tu vois, le gars est en train de gamer, puis la SWAT rentre, puis le tire. Ouais, là, ça a comme été un peu trop loin. Non, c'est juste de te faire arrêter par la SWAT, car Alice c'est déjà allé trop loin. C'est ça. Tabarnak. C'est un social experiment. Même le gars, il y a 8 gars qui rentrent chez vous puis couche-toi à terre, couche-toi à terre avec des mitraillettes. Hey, bonne les boys. Mais c'est drôle en plus, c'est que il y a une fille qui a poursuivi la police de, dans le fond de sa ville parce qu'elle a jugé que son arrestation était trop sévère. Fait que la SWAT, au jugement, a décidé de rendre public la vidéo. T'sais, ils ont tous comme des petites caméras sur le chest. Fait qu'il y a une vidéo sur YouTube de la même chose, mais du point de vue de la SWAT. Okay? T'as vraiment le truck qui arrête, les gars sortent tous, sont armés jusqu'aux dents. Là. Ils ont leur crise d'automatique, tout, là, les shields, c'est incroyable. Puis là, ils sont trois petites maisons avant, puis là, ils se mettent en formation en ligne, puis là, ils avancent, puis là, ils conduisent un jeu vidéo, c'est malade. Puis là, ils rentrent, puis ils se mettent de chaque côté de la porte, puis il y a comme un gars avec un marteau en avant. Juste un des gars de la SWAT qui essaie genre de pousser un peu à part voir si ça s'ouvre pas. L'autre gars arrive avec son crisse de marteau, décalisse la porte. C'est décalisse. Il pogne des flashbangs, c'est comme des grenades qui éclatent de lumière. Il en drop 2-3 dans la maison. Il rentre là-dedans, la fille, man, était... Pour vrai, elle devait faire un maximum, imagine, genre 4 pieds 8. Là. Puis, man, les gars sont gigantesques avec leur gun auto, puis ils fouillent la maison en 10 secondes. C'est hilarant. Mais imagine, si t'écoutes la télé, calice, la porte revole, des flashbangs. Tabarnak. Hey, si t'es en lendemain de veille, là, t'as trouveras pas drôle. Là, tu il est juste capoté dans son divan. Oh, il est trop lâche même pour se faire livrer de quoi. Il est là avec son Gatorade. Il essaie de s'en remettre. Dang! Les stun grenades qui sautent dans son salon. T'as même pas le temps d'avoir peur de qu'est-ce qui se passe, tu comprends
juste rire. Ben non, ouais, ouais. Ça arrive bien trop vite. Genre, elle avait un petit beau moment. Genre, elle écoutait Jumanji puis elle riait. Genre, une scène pas drôle, mais elle riait vraiment beaucoup parce qu'elle était un peu enfantin, genre. Puis t'as juste comme toute la SWAT qui arrive en même temps, genre. Et c'était intense en crise quand t'es vois, tu vois le gars, il gagne puis il parle devant son ordi, puis là t'as la porte derrière lui qui se fait défoncer. Ouais, t'as Arbol, genre, t'as 15 gars qui rentrent armés jusqu'aux dents, qui le pognent, pis tu sais, qui écrase sa tête avec son. Avec leurs pieds parce que. Avec eux, ils genoux, genre. Ils peuvent pas savoir, tête, mais non, c'est, eux, ils font leur job. Ouais, genre, exactement. Le gars peut être réellement quand dangereux. La, ouais, quand c'est la SWAT qui rentre, s'il laisse pas de chance. Non, il cogne pas à la porte, là. Il veut collaborer, là, c'est ça le meilleur plan, là. Surtout, tu sais, mettons, il y a un gars, c'est arrivé à Los Angeles, mais à Los Angeles, en général, d'après moi, quand la SWAT intervient, c'est pas clean, là. C'est pas cute-cute. Ah ça fait qu'ils... Ouais. Leur première pensée, c'est pas « Ah, ça doit être un gars qui joue aux jeux vidéo. » Ah non, c'est ça. Le gars peut-être un M16 là-dedans. Ouais, c'est ça, là. Puis il t'attend. Ouais, ah, exact. Mais man, genre, il y en a un autre trend comme ça de body cam. C'est justement les policiers qui, de plus en plus, ont des caméras à première personne. Puis, il y a un trend sur... C'était pas sur YouTube, j'ai vu ça, c'était un autre channel, juste parce que c'est bien trop violent, mais c'est un trend de policiers qui se font tirer pendant des interventions, oh, mais en first person. Shit, ouais, c'est genre, le gars sort de son char, il y a la caméra, tu sais, à première personne, marche vers le char sur le bord de la route, arrive sur le coin, la fenêtre drop, il y a un Uzi qui sort, puis tu vois juste la caméra prop, qui tombe à terre sur le côté. C'est comme « Tabarnak! » Tu vois juste le ciel. Genre. Ouais, genre, là, t'as l'impression que tu viens de mourir à Call of Duty, sauf que là, tu dis « Chris, c'est quelqu'un qui est mort. » Là. Ouais. Quelqu'un qui vient de se faire déchirer le cerveau avec genre 40 balles. Ouais, j'en ai vu des affaires de c'est une expérience enrichissante que de le vivre. Ben, écoute, je pense que c'est le plus proche que tu peux faire de vivre ça. Ouais, c'est pas le voir. C'est pas le moins d'études, là. C'est pas 3 ans de pratique puis d'endoctrinement, puis tu peux quand même te sentir en danger chaque fois que tu passes à côté d'un char. C'est malamment. Oh man, c'est clair. PTSD. Je sais pas, vas-y. Ah non, mais c'est quand on parlait de la SWAT qui rentrait dans la chambre, je me suis dit, Chris, ils sont rentrés là-dedans comme Guy Cloutier dans la chambre à Nathalie Simard. Ils ont pas laissé de chance. Wow. Tu sais, genre, défonce la porte, t'as comme 15 gars. Ça drôle. Nathalie. Ouais, mes amis, ils veulent t'entendre chanter, eux autres, ici. Ah, tabarnak. René Angélil, en ce moment, il est dans le ciel, puis il est comme, tabarnak, ça aurait pu être moi que t'as un petit name drop. Pourquoi je vais te faire oublier parce que je peux plus vous poursuivre? Est-ce qu'il poursuivait tout le monde qui faisait des références à ça? Poursuivi les grandes gueules, poursuivi les grandes gueules parce qu'on dit que c'est... Oui, Chris... Parce qu'il y avait un personnage de René Angélil. Non, je peux pas dire ça. Je sais pas, honnêtement. Je suis pas sûr. Mais je sais qu'il a poursuivi des gens. Ouais, mais je me rappelle plus qu'ils ont eu des mises en demeure, mais je sais pas s'ils ont poursuivi après. Genre. Ouais, juste pour en retirer ça. Sinon, j'ai juste poursuivi. Est-ce que je parle à travers mon cul en ce moment? Non, mais je pense que c'est ça, c'était des mises en demeure. Mais tu sais, les mises en demeure, ça veut rien dire. Là, j'ai toujours dit qu'il y a un avocat, puis il m'a dit si tu reçois une mise en demeure un jour, tu t'en calisses. Okay. Parce que genre, en tant que t'as une mise en demeure, c'est même pas les procédures qui sont commencées, c'est juste vraiment la première étape. Fait que le gars, il faut vraiment qu'il investisse s'il veut continuer. Puis, J'imagine juste le personnage de René Angélil des grandes gueules, puis là, il y en a un des deux qui fait « Hey, j'ai un personnage d'un, ça va être malade », puis là, il start, il fait juste « Oh, je fourre Céline », puis ils sont comme « Ok, t'as-tu d'autres jokes ?» Ouais, je fourre Céline, mais j'en parle dans 3 minutes. Depuis qu'il a 13. Sans arrêt, j'imagine. Dans le trafic, t'ouvres le 94-3, genre, tu sors le soir, pis t'es juste. Ouais, je fourre Céline pendant 15 minutes de temps. Les premières fois, elle aimait pas ça, elle pleurait. Mais c'est pas grave. Je l'appelais mon amour, ça l'a calmé. C'est ma petite chanteuse d'amour. Ma belle petite chanteuse. Tu vas gazouiller pour papa. Tabarnak. Ok. Ouais. Ah, mais salut, si elle a été connue quand même. Hein? Ben ouais. Faut pas y enlever. À l'âge qu'il y avait, tu penses-tu qu'il l'appelait ma belle enfant? Ben, quand il a commencé, ouais, sûrement. La petite jeune. Oh, ma belle enfant, comment ça va? Non, ça va. Non, j'imagine quand, mettons, aujourd'hui, il était rendu à fourrer une fille de 12-13 ans, j'imagine qu'il essaie comme de la faire paraître adulte, genre. C'est pas, t'es vraiment vieille pour que t'aies l'air vraiment. Ah, t'es vraiment mature pour ton âge. Il réfère tout le temps à elle. T'as l'air de comme 15 ans. Au lieu il dit jamais cette fille-là, il dit tout le temps, genre, cette femme-là, genre. Il dit tout le temps femme quand il réfère à elle. Elle a 12 ans. Oh, mais c'est ma petite femme, pareil. Ouais, mais regarde. Elle est menstruée, là. Hein? Elle a eu ses menstruations, là, dernièrement. Elle m'a amené des niaises calices, là. C'est une femme,
C'est leur laisser une graine. Oh, tabarnak. Oh, Christ. Tu dis qu'on est arrivé là vite. Ah, j'aime le mou, là, toi. Ouais, ouais, ça comme... Alright. Qu'est-ce qu'on disait? Ouais, fait que c'est ça. Fait que là, dans le fond, le gars, il s'est fait tirer. Oh, Christ, là, c'est bon. Il y a une citation de l'Association américaine de défense des libertés civiques. Civique? Ouais, civique. Okay, comme Honda Civic. Ouais, mais défendre les propriétaires de Honda, il devait avoir un Honda. Non, mais il marquait CIVIQ, c'est une erreur. Pour non, c'est civil, comme ou... c'est civique, c'est comme civil. C'est, okay. Ouais. C'est comme l'adjectif. Okay, c'est moi qui... c'est toi qui connais pas le mot, mais c'est un vrai mot. Ah, c'est bon. C'est pas grave. Ok, fait que MacDial Sanchez a été tué à son propre domicile alors qu'il n'avait commis le moindre crime. Classique. Ils ont dit aussi, le simple fait de ne pas répondre à des instructions n'est pas une raison acceptable pour l'usage d'une force létale. C'est calissement vrai. Oui, bah oui, oh, ouais, c'est vrai. Ah, il écoute pas, tire les calis. Non, mais c'est ça, là. J'imagine juste, là, comme mettez les mains dans votre dos, puis lui, il a pas entendu, il est comme, ah, qu'est-ce que t'as dit? Le gars, il est dos aussi, il fait ses travaux ménagers, au pays, il entend rien. Monsieur, tournez-vous, monsieur. Il attend juste dans sa tête en temps, wake me up. Before you go with me. Le genre, le du monde qui rentre dans le dos, genre. Ta-ta-ta-ta! Ce serait mal. Il faisait sa vaisselle, puis il sifflait. Ah ouais. Tu sais, si je fais mon jogging avec mes écouteurs dans les oreilles, ils vont-tu me tirer en arrière de la tête aussi? Vont-tu genre me pogner? Faudrait qu'ils commencent à penser que. J'imagine plus que tu vois les écouteurs. Peut-être que c'est. Ouais, mais je réponds pas. Ça prend les headphones. Hein? Ça si prend les headphones. Pas. C'est les écouteurs d'iPod. Si la police me répond pas, je peux-tu leur tirer dessus, moi? Oui. Oui, ok. Ouais, t'es juste pour. Bon, maintenant que tout le monde est au courant de ça. Peut-être que dans leur formation, ils devraient prendre compte que les technologies auditives ont évolué avec le temps. Mais ouais, c'est ça. On est rendu avec des écouteurs quand même assez petits. Ouais. Ouais. Que c'est plus des hosties de gros casse tout le temps. Ouais. C'est peu que le monde t'entende pas. Ouais. Ça serait quand même pas pire que ce soit mentionné à quelque part. C'est pas pire qu'ils prennent. Regardez s'il y a de quoi sur les oreilles, calice. Il me semble que ce serait la première chose. Ouais, malgré qu'il était sourd, il écoutait pas de musique. Ouais, mais dans le cas, mais dans le cas où est-ce que ce serait quelqu'un qui est, mettons, de dos ou peu importe, tu sais. En tout cas. J'avais vu une vidéo avec Tyler, the Creator, le rapper, puis d'autres mondes, puis c'était tous des policiers, puis ils se promenaient dans un parc, puis à un moment donné, il arrête un black, là, il fait juste chiller, puis là, il parle avec, puis il y en a un des policiers dans la gang qui sont... Le gun part, puis il tire. C'est juste tous les autres policiers qui se regardent, genre, c'est trop sans comment faire, puis ils se mettent à tirer sur le gars à terre. Puis là, il y en a un qui arrive en arrière, il dépose une arbalète, puis ils font « C'est beau! On s'est juste défendu, tabarnak! » Ah ouais. Non, c'est bon. Quoi, cette vidéo-là? C'est où que t'as vu ça? Je pense que c'était Saturday Night Live qui avait fait genre un sketch. Genre. C'est drôle, tabarnak. Puis c'est ça, c'était juste genre des blagues qui tuaient un dude par erreur, mais ils mettaient une arbalète. C'est correct. Ah, ok, ouais. On se défendait. C'est ouais, c'était c'est, bien expliqué. C'est sûr que ça arrive. Mais un couteau à pain, il est armé. Je m'a parlé comme ça. C'est sûr que ça arrive. Ouais, ça fait plus aucun sens. Ce que je dis. Il y avait Dave Chappelle aussi au Chappelle Show qui faisait des jokes comme ça, puis genre. Ou c'était dans un stand-up? Non, c'était... Ouais, je sais plus. En tout cas, c'est pas grave. C'est Dave Chappelle qui disait ça. Il disait genre que la police, tout le temps, à chaque fois qu'il y a une scène de crime, genre, elle faisait juste comme sprinkler du crack, genre, partout dans la pièce. Puis comme ça cachait toutes les traces, genre. Ouais. Tellement ouais. Qu'il faisait, genre. Il y en avait un autre, Nasty Bon Gang, genre, il jouait un... C'était Dave Chappelle qui, genre, jouait un noir qui était en train de témoigner dans un tribunal. Puis tout le long qui témoigne, il a les mains en l'air. Puis il est comme, fuck up, je baisse pas mes mains. C'est la seconde que je vais les baisser. Je vais me faire tirer 4 balles dans le dos. C'est excellent, c'est crissement bon. J'écoutais une vidéo justement avant de m'en venir ici de Dave Chappelle, mais qui joue George Bush. Puis c'est drôle. Tabarnak. Y'avait-tu fait ton whiteface pour ça? Non, c'est juste exactement comme genre ce qui s'est passé dans la vraie vie, mais comme le gars il parle comme s'il venait du hood, genre. Ok. Drôle en tabarnak, là. Ouais, c'est bon. Ouais. C'est Dave Chappelle qui avait fait un whiteface. Il avait genre fait un commentateur de TV qui avait fait un whiteface. Est-ce que c'était drôle? Ouais, j'ai trouvé ça mal. Ah, il avait fait il a tout fait, là, Dave Chappelle. Il a fait tous les stéréotypes raciaux qui existent, mais ils avaient tous nailés. Le Chappelle Show. Ouais, le Chappelle Show était cool. Ouais, c'était bon, ça. Quand il fait Rick James, c'est genre le personnage qui est le plus reconnu de lui, là. C'est juste trop drôle. C'est genre, c'est comme ça à poudre, puis il frappe des filles. Ouais. On en tabarnak, man, sérieux, là. Oh, quand il fait Rick James, là. Ça, c'est imagé, peut devenir un meme aussi. Là. C'est genre le gars qui est comme ça à poudre, la poudre partout autour du nez. Ouais, genre, do you have any more of that?
Whatever. Alright, fait que on commence avec la chronique à Phil. Yes! Cette semaine, ouais. Ben, hier, on a fêté quand même pas mal. Fait que j'ai décidé de prolonger une chronique que j'ai déjà faite dans le passé. J'avais fait un top 10 des systèmes de fast-food qui ont été discontinués à travers le temps. Ceux-là, c'est des systèmes de fast-food qui sont weird, qui sont crissement malsains, puis ils sont pas nécessairement disparus des menus, par exemple. Il y en a certains qui vont être estivales aussi. Puis ils sont surtout dans d'autres pays. Fait que c'est des affaires que vous avez sûrement jamais entendues avant. Donc, au numéro 10, c'est la chaîne Burger King qui va se retrouver souvent sur cette liste. C'est en Burger King, sa division d'Israël. Ils ont sorti le Donut Burger pour Hanouka, qui est dans le fond un burger avec, au lieu d'avoir un pain, dans le fond, c'est un beignet qui est slicé en deux. Puis ils mettent tout le shit dans un beignet. Ouais, j'en entends parler dessus. Ouais, un donut burger. Est-ce que ça... Tabarnak, ça doit être... Je pense parce qu'ils sont affiliés avec Tim Hortons, genre. Ils ont acheté, ils sont affiliés ensemble parce que Tim Hortons avait de la misère à l'international, puis Burger King avait de la misère au Canada. Ouais. Fait que genre, ils ont fait c'était entre autres parce que le système de taxation des entreprises privées au Canada était vraiment plus slack puis lousse que celui aux États-Unis. Ouais. Fait que Burger King, en achetant Tim Hortons, pouvait dire... Ils l'ont acheté? Ouais, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont acheté puis comme ils ont comme incorporé Tim Hortons dans leur espèce de groupe, puis en faisant ça ils pouvaient dire qu'ils étaient une entreprise canadienne, fait que payer leur taxe au Canada, ou est-ce que c'était vraiment genre moins cher qu'aux États-Unis. Mais Chris, c'est la raison principale. C'est Burger King, moi je trouve qu'il l'échappe là. Pour vrai là, genre qui va au Burger King de nos jours, puis malgré que c'est probablement qu'ils font les affaires les moins chères, mais les tabarnak de 10 croquettes pour 2 piastres, c'est la chose la moins mangeable qui existe sur Terre. C'est horrible. Honnêtement, ça m'arrive souvent de voir ça, faut comme crise 2 piastres. Non, ça vaut la peine, mais j'ai jamais essayé. Ah, ouais, tu dis ça, tu penses que ça vaut la peine parce que c'est pas cher, tu t'es manges une fois, puis tu fais, ok, c'est beau. Ouais, jamais. Si t'en manges deux, puis t'es jette. J'aime qu'à 2 piastres, tu te sens moins mal, les crisser dans les plans, tu dois être acheté autre chose. Je me dis, je mange du poulet, puis ça coûte 2 piastres pour je suis comme, non, il y a de quoi de louche là-dedans. Puis j'ai jamais goûté à cause que c'était pas assez cher. C'était pas assez cher pour que j'y goûte. Pour vrai, c'est ça le raisonnement que j'avais. Fait comme Chris, c'est impossible que non, c'est sûr. Ça prouve à quel point c'est de la crap. Genre. Deux burgers, c'est mal pris. Là, c'est genre, j'ai choix entre des croquettes de poulet ou genre catch ramen. Ben, on va y aller pour les croquettes. ouais. Non, c'est clair. Au numéro 9, on a un autre mec qui peut se manger seulement complètement défoncé, d'après moi. C'est au Taco Bell's la Philippine. Donc, il n'y en a pas ici. Ce qu'ils ont sorti là-bas, c'est une merveilleuse idée. Ils se sont dit, on va essayer ça, c'est Filipinos. puis on va voir après si ça passe ailleurs. Ils ont fait les Cheetos Quesadillas. C'est des quesadillas. Là, on se dirait que c'est des quesadillas complètes avec genre le poulet puis tout le shit. Non, détrompez-vous, c'est juste un quesadillas avec du fromage puis des Cheetos. That's it. Il n'y a pas de viande, il n'y a rien. C'est des Cheetos puis du fromage. Les Cheetos doivent ramollir un peu en chauffant avec le fromage. Tu pas le côté le fun du croustillant dedans. Genre. Ouais. C'est vraiment juste un esti... Ah ouais, faut que ton cœur va te remercier après avoir mangé ça. Tu rusheras pas pantoute. Il va s'endormir pour très longtemps. Oh ouais. Eh ben oui, excuse-moi, genre avant que tu commences, juste j'ai viens de repenser à ça. S'il y en a qui s'intéressent, tu sais, j'avais parlé de ça il y a 2 semaines, finalement, il était pas sorti encore, mais techniquement, je pense qu'un épisode va sortir là, pour vrai, l'épisode du Petit Bonheur où je suis passé, devrait être tout sorti quasiment, il devrait sortir dans le fond cette semaine. Mais en tout cas, si jamais ça change... Ça va cas, déjà c'est... avoir sorti cette semaine. Ouais, techniquement, il devrait déjà être sorti. Fait que si ça vous intéresse d'aller écouter ça, c'est l'épisode avec Chauffé Éclairé, ouais. Ouais, Chauffé Éclairé. Non, ça va être bon, allez voir ça. Au numéro 8, on a un mec qui est... Un mec, en tout cas. Une patente qui est particulièrement cheap. C'est au McDo en Italie. Ils ont sorti le Sweetie Con Nutella, qui est dans le fond un burger au Nutella. Puis c'est juste 2 tranches de pain avec du Nutella, genre. Ah, c'est un sandwich au Nutella, dans le fond. That's it. Ils te font payer genre 3-4 piastres pour de quoi que tu peux te faire. Qu'un enfant peut faire pour dedans, 25 cents. Non, il n'y a rien. Ben pourquoi il appelle ça un burger ici? Parce que c'est des pains burgers avec du Nutella. Ah, ouais. Un pain burger
au stick du Nutella, ça doit être bon. Mais ben ouais, mais Chris, je paierais jamais pour ça. Ben c'est ça, ça paye 3 piastres. Ça te coûte 25 cents chez vous. Ouais, non, si tu calcules tout ensemble. C'est comme si tu irais chez Cora et tu fais, je vais prendre un ordre de toast avec du beurre. Ouais. That's it. Ah, puis je voudrais de l'eau aussi, s'il vous plaît. Mais pouvez-vous me charger mon eau? J'aimerais payer pour des choses que je peux me faire moi-même. Ça me fait penser que ça pourrait être un bon sujet ouvert pour un prochain épisode. Est-ce que les toasts chez Tim, c'est word? Ouais. On va revenir à tu. Je mange des toasts chez Tim. Vous saviez pas? Non. C'est genre, c'est de prendre le truc le moins cher, c'est des tabarnaks de gros pains, là. Ça ah ouais, fucking c'est genre taste, du pain campagnon. Ouais, puis t'en as quatre. Puis c'est genre. J'ai pas deux Tim Hortons, c'est le genre de place que j'essaie de me tenir le plus loin possible. Pas pour les breuvages. Ouais. Ah ouais? Mm-hmm. Ouais, à part les cafés. Ice cap, là. Ouais, ouais. Les ice caps sont malades. Bon. Ah ouais, les cafés, ils ont. Le café est correct, moi je trouve quand même bon. À moi, le café me donne une envie de dégueuler. Le café, oui. Moi, je suis très pointilleux, c'est peut-être ça le problème. Ouais, les sandwichs et les pires. On a déjà parlé, là, mais c'est les pires. Ouais, c'est des sandwichs que genre, tu peux payer pour avoir. Là. À la limite, j'aimerais mieux manger une sandwich à Depp, parce qu'une sandwich chez Tim, quasiment. Là. Moi, pour vrai, là, les limites, peut-être pas. Là. Il pourrait simplement. Un sandwich de Depp, pour vrai. Ça dépend à quel. Mettons, c'est la salade de poulet, là, tu sais, le poulet. Ben, je parle d'un Depp, là. Mettons, j'aimerais mieux manger ça que de manger. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas du vrai poulet, qu'ils n'ont pas de la vraie mayo, puis que leur pain est vraiment bizarre, genre, dans un Depp. Ouais. C'est weird. Ben, c'est juste pas ce que ça devrait goûter. C'est ouais, bizarre, mais c'est juste des petites vieilles sandwichs qui genre, sont emballés depuis genre une couple de semaines. Non, ouais. C'est une compagnie qui le fait, qui le calisse, qui l'emballe, puis deux semaines après, t'as mangé. Ouais. Puis toi, Phil, qu'est-ce que tu dirais qu'on devrait manger à la place d'aller chez Tim? Yes. Au numéro 7, c'est seulement possible chez Pizza Hut parce qu'ils sont quand même pas pires dans le mauvais goût là. Ils sont tout le temps genre des études d'affaires fucked up. Ce qu'ils ont sorti, c'est la pizza Doritos qui est disponible seulement dans leur division australienne. Les génies de chez Pizza Hut ont décidé de mettre du fromage sur la croûte à pizza. Puis d'y apposer des Doritos de manière à ce que tout colle ensemble. Tabarnak. Honnêtement, là, c'est insultant. Très genre, ça a l'air malade, pour vrai. C'est-tu weird un peu, genre? Je sais pas si c'est weird, mais qu'est-ce que ça a l'air bon? Excuse-moi, j'ai quand même eu un moment d'inattention. C'est quoi, il émiette des Doritos sur la croûte? C'est genre, t'as des Doritos comme ça à croûte. C'est vraiment malsain. Comme quand elle faisait des genres de croûte. Ça doit être bon, pareil. Des croutons, genre. Ils gratinent la croûte, puis collent des Doritos par-dessus. C'est genre... C'est comme des nachos. Ça à croûte de ta pizza. C'est sûr que ça doit être bon, puis j'en mange des Doritos. J'ai de la misère à le visualiser, mais... Chris, t'as des chips sur ta croûte. Juste sa croûte. Tu sais, la croûte, là. Tu sais ce qu'il y a autour, là. Ouais, je sais. T'as des chips dessus, genre. Ouais. C'est ça. Puis un collègue du fromage qui ont mis ça. Ok, un collègue du fromage. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Oui, oui. Mais moi, j'imagine que ça doit être bon. Moi, j'en mangerais, là. Mais le pire, c'est que j'en boufferais, puis je serais juste comme. Vas-y. Mais là. Bon, toi, y'a le gros de toune. Pour vrai, la pizza, t'es à chier, mais la croûte farcie est bonne. Genre, honnêtement, je pense que c'est la seule affaire qui est legit là-bas. C'est pas mauvais. Le pire, c'est que j'avais commencé ce numéro-là. C'est un péché mignon, disons. Ouais. J'avais commencé ce crayon dans le nez. Ça ressemble à un ficello, par exemple, ce qu'ils mettent, genre. Ouais, c'est clairement ça. Ouais, ça doit être de quoi, genre. C'est probablement pas du bon stock. Ouais, nous, c'est une crise. De toute façon, hein. On aurait une crise cardiaque un jour. Ouais. J'avais commencé la chronique, le pire, c'est que c'est pas la chronique, c'est-à-dire le numéro 6. Ils sont interrompus là encore. En me disant, c'est que c'est dégueulasse, c'est que c'est dégueulasse. Plus je regardais les photos, plus j'y pensais, je suis comme, qu'est-ce que j'ai le goût de cette pizza-là, moi, tabarnak. C'est sûr. J'ai de me surprendre à vouloir avoir cette crise de pizza-là. Fuck. Fait que, au numéro 6, c'est chez Burger King au Japon. Ils ont sorti pour le temps des fêtes le Berry Burger. Et non, ce n'est pas pour Chuck Berry. Oh my god, tu l'es coquin ce fil. Je me rappelais plus que j'avais écrit ce joke là. Ça fait du bien. T'as bien fait de t'en rappeler. Hey Benoît, tabarnak. Benoît, on te la donne celle-là. On te la donne, hey, Benoît. Pour toi, je signe ton nom là-dessus. Oui. C'est la fois, c'est le burger pour Noël. C'est avec, ils ont mis dans le burger de la sauce au bleuet, framboise et vin. La confiture. Sauce au vin, genre, avec bleuet et framboise dans le burger. Oh, oh. C'est bizarre en tabac. Ouais. J'ai pas le goût de ça. Un burger avec la viande, burger. Genre? Ouais. Genre avec des tomates, astuces, puis je suis pas sûr, je sais pas. Mais en même temps, genre, le sucré, le salé, des fois, c'est dans ça, vie, c'est ça bon. C'est ça qui me fait. Je sais vraiment pas. Mais là, non. Je sais vraiment pas. Il me semble que je veux pas ça dans un burger, ambigu. Mais je sais attends, pas. Attends, c'est qui le fait? C'est Burger King. Ouais, c'est sûr que c'est mal fait. Ce sera pas bien exécuté. Le Laurie Raphaël m'arrive avec ça. Genre, je suis comme, ça va être bon, mais. Ça sera pas une réduction balsamique de fruits puis de sirop d'érable. Non, non, non. Ça va être une petite sauce cheap avec des bleuets qui ont mis dessus par après. Genre.
Oh, ouais, c'est sûr. Au numéro 5, on a encore au Japon, mais c'est au McDo cette fois-ci, c'est les Pumpkin Spice French Fries qui ont sorti parce que ils ont vu qu'il y avait eu un gros, une grosse popularité pour leurs frites au chocolat. C'était des frites avec du chocolat dessus. That's it. C'était juste ben, genre ça, des filets de chocolat. Sucré salé encore. Ouais, c'est ouais. Vaste, mais pire, celle-là, hein. Je le trust plus. Non, moi, je. Ah, oh, lui, elle est ouais. Frites ouais. McDo ouais. Dans le ah, non, chocolat. C'est là. Bon. Oh, ouais. Bon. Taste. Ceux-là, ils ont mis aussi de la sauce, tu sais, pumpkin spice, un peu genre ouais. Pain d'épices, cannelle, etc. Ouais. Genre, ouais. C'est avec ça, puis ça fait comme. C'était pour l'Halloween qu'il avait sorti ouais. Ça, en tout cas, puis ça fait genre orange ben, et noir. Pendant qu'on parle de frites, là, je sais pas qui c'est qui a déjà fait ça, mais tremper ses frites dans un McFlurry au McDo. J'ai jamais fait ça. Est-ce que vous avez genre vécu ça, vos vies? Ça a l'air dégueulasse. C'est dégueulasse. Ça a l'air malsain en temps. C'est malade mental. Ah. Faut ça, que vous essayiez. Ça, c'est des okay. Affaires de bombes que tu faisais dans l'Ouest, là. Ouais, c'est ouais. Exactement ça. Des affaires de T-Bomb. Regarde, c'est Marco, t'en es tout cas. Tabarnak, ouais, Marco. C'est des affaires que je fais. Je suis pas déplacé. Il y a juste les maudits anglophones qui font ça, des affaires folles de même. Les crises de bloke. Les Anglais se réveillent. Oh, les Anglais se réveillent. Richard Henry Bain. Yes. Oh, salut, c'est t'écoutes en cellule. Oh yes. Oh yeah, je te le souhaite. J'espère que t'ont donné autre chose que ta robe de chambre. T'avais l'air pas mal innocent. Je crois qu'il avait l'air très sensé. En cagoule puis en robe de chambre. Ah, moi, je m'auto-proclame le porte-parole des Anglais en général. Oh ouais. Ils m'ont élu. Hey Phil, d'après toi, c'est quoi que Ben il mange en prison? Vas-y donc, donne-moi des idées. Au numéro 4, il pourrait peut-être se commander, s'il était emprisonné au Japon, un Windows 7 Whopper chez Burger King. Donc pour célébrer le Windows 7, ils ont sorti un Hyper Whopper avec 7 boulettes dedans. Hein? Tabarnak! Je sais pas si t'as une idée là, à quelle hauteur que ça doit avoir là. La hauteur de ma bouteille qui c'est est là. C'est à peu près. non, c'est très haut, là, peut-être pas, là, mais. J'en pourrais à part. Ça doit être un bon pied, là. Ça doit être un bon pied d'eau, là. C'est sûr de boulettes, là. Ben, ouais, Wendy's était fort en esti là-dessus. Ouais. T'as collé une infinité de boulettes. Les quadruple baconator. Ouais, Ben, quand tu penses à ça, un Big Mac Doom, c'est ça, là. C'est 4 boulettes, là. Ben, imagine, t'en as 3 de plus. 3 de plus que ça. Prends deux McDo pis fais-toi un gangbang avec ça. Imagine ça. Tabarnak. Ah, c'est quand même fou. J'ai faim. Ouais, on va se faire les burritos après. Oh, nice. Vous allez voir, le numéro 3, il risque de vous enlever un petit peu l'appétit, par exemple. Au numéro 3, on a les donuts de chez Dunkin' Donuts qui ont sorti en Chine un dried pork and seaweed donut qui est dans le fond un donut normal, là, tu sais, le normal là, glacé. Puis avec de la base de porc là, t'sais, en poudre là, ouais. Sur le dessus, puis des algues, tu sais, comme d'un sushi, genre des ouais. Feuilles d'algues. C'est ça qu'ils ont. Sur un donut. Sur un, ouais. Non. Ouais. Non. Ça doit être dégueulasse. Ça doit être absolument dégueulasse. C'est qui a l'idée, Carlis? Ben, il paraît que c'est une saveur qui est quand même assez connue là-bas, mais c'est où, je connais pas. En Chine. En Chine? Oui. Il paraît que c'est une saveur que les gens aiment. Mais je sais pas à quel point ils en veulent sur leur bang. Ouais, c'est genre. Ça qui arrive, hein. C'est comme. Ils font comme. Ouais, ok. C'est comme oui, si je suis content que tu sois genre au courant de notre culture, ouais. Mais ça n'a aucun rapport sur mon dos. C'est comme sur un bang sel et vinaigre, genre, tu sais. C'est comme moi. C'est bon sur des chips, là, mais. Tu serais malade, genre, que. Est-ce qu'une compagnie asiatique qui arrive ici, ils font. Hey, pour souper, on fait un bol de céréales avec du lard dedans. Hey, mais merci de te soucier de ma culture, mais c'est dégueulasse. Le blé-bain chinois, c'est pas le blé-bain, le bain, fuck. Vous avez compris ce que je voulais dire. Au numéro 2, on a les c'est chez McDo au Netherlands. Au numéro 2, ça va être un petit peu plus santé, mais comme trop en même temps. Quand tu vas chez McDo, tu veux les frites, les bonnes frites salées. Tu sais, on aime les frites chez McDo. Puis eux autres ont sorti les Apple Fries, qui sont des pommes de terre frites, des juliennes de pommes. De, pas de pommes de terre, de pommes, du coup. C'est des frites de pommes, genre. Alors, ça doit être moins croustillant, un peu plus vide, un peu quand tu le crèves. Ça doit être dedans, plus plate en tabarnak à manger, on s'entend-tu, là? C'est des frites de pommes, asti. Ben, ça. Faudrait essayer. Tu sais, c'est frit de toute façon, genre. Ouais. Moi, je suis pas si santé non, que ça. Non, non, il n'y a rien de santé là-dedans. Moi, j'en veux. Moi, j'avoue, je suis pas tellement de ton bord, Phil. Moi, je suis plus du bord à Marco dans ce débat-là. Moi, je l'aime. C'est parce qu'en même temps, tu sais, genre, c'est comme c'est dur, mais c'est vide un peu. Genre, je sais pas, j'ai de la misère à décrire la texture d'une pomme. C'est déjà colissement vide, là, une frite de McDo. Ouais, mais une patate, c'est plus.
c'est plus ferme, mettons, genre, contrairement à une pomme. T'sais, une pomme, tu peux genre la pogner puis genre, tu sais, l'écraser avec tes doigts, genre, ouais. Même, au travers de la pleure, puis tu vas voir tous les filaments à l'intérieur qui vont comme se détruire, si on veut, genre, qui vont comme s'écraser. Fait que c'est moins dense. Ouais, ouais, exact. Ouais. Fait que ben, je sais pas quelle texture ça aurait un coup frit, genre, ça doit être un peu comme vide à l'intérieur. C'est shrinky un peu. Ça, ouais, genre, ça. Je me dis juste qu'au nombre de fois que j'y vais, genre, j'aime ça que ce soit des frites. Pis pas, ah non, genre, non, des ouais. Pommes, genre. Je sais pas, si j'irais toutes les semaines, je dis pas, là, peut-être que je ferais comme moi, ouais, j'aimerais savoir des pommes pour non, mais ouais. Moi, j'aimerais de la salade. Je pensais plus à, mettons, si je pourrais m'en faire ici, mettons. Ou... Ouais. Ah, mais oui, ben oui, mais c'est une bonne idée, pareil. Peut-être au four, même. En tout cas, on vous enverra la recette. Ah, ben, Chris. Ouais. Mettre du crack dedans, parce qu'on est funky. Sprinkle some crack on the on the apple. C'est samedi, hein? C'est samedi. On crack cocaine. On estime moins fort. Ce serait malade, genre, la personne commande sur Internet des frites de pommes avec du crack dessus, puis elle trouve ça drôle, genre, puis elle reçoit. Puis c'est des frites de pommes avec du crack, mais ben, tabarnak. J'ai eu mon voyage. 3-4 roches, certains, là-dedans. Là, ah ouais. Chris. Passe la balayeuse, esti. Ouais, 60 piastres la pomme, esti. Sprinkle avec du crack puis de l'or, esti. Au numéro 1, c'est chez Burger King, puis c'est quelque chose qui existe aux États-Unis. Je suis pas sûr si ça a jamais existé ici, là, vous me le direz. C'est, ça sort seulement l'été pour, de façon limitée. C'est le fameux sundae au bacon de chez Burger King, qui est un sundae caramel chocolat et chipped de bacon. Ça doit être bon, ça. Avec un bacon qui est dedans. Il y a comme une tranche de bacon pour faire une décoration. C'est sûr que ça doit être bon, là, genre un sucré salé, puis en même temps, genre fumé. Là, genre, vraiment, j'ai entendu quelqu'un qui me disait que ça a l'air de coûter vraiment bon. C'est exemple, tu fais cuire du bacon. Tu mets, mettons, du Nutella dessus, tu le mets dans du saran wrap, puis tu le fais geler, genre. Pour ça, tu manges ça de même, genre. Ça a le côté sucré salé, genre, il est vraiment fun. Ouais. Ah, ça doit être cool. Moi, une affaire que j'avais mangé qui était extrêmement simple, mais c'était juste fantastique dans ma gueule, c'était... c'est comme un sandwich, vraiment, de Nutella, mais cuit dans le poêle avec du beurre, comme un grilled cheese, dans le fond. Puis le côté grillé puis salé du beurre, quand tu croques, avec le Nutella, là, insane. Ah, c'est sûr que ça doit être bon. Ah, c'est tellement clair, taste, c'est là. Ouais. Mais ouais, ouais. C'est ça. Fait que vous irez voyager et tenter toutes ces choses immondes. On sonne comme un cooking show en ce moment. Ouais. Moi, je pas grave. Si, moi, j'aime ça parler. Ouais, mais on devrait sortir notre temps livre. La prochaine fois, on aurait une friteuse à table. Et j'ai pas soupé. Puis si tu me mettais une machine à panini devant moi, là. T'as pas soupé? Ah, si tu apprends, on va se faire des burritos si tu veux, t'en manger un. On va te vendre. On va écouter un film. Puis on remettre de notre soirée d'hier. Probablement fumer tout. Puis on en parlera après le show, le monde encore. Non, le monde, ça les intéresse. Ouais, c'est vrai. Mais entre vos deux chroniques, j'ai oublié de préciser au début que cette semaine, évidemment, c'est moi qui s'occupe de la console de son et tout, mais c'est moi aussi qui va faire le montage. C'est moi qui va faire... Ça sort pas parce que ça n'a pas marché. Jamais c'est de la merde, c'est totalement de ma faute. Mais non, mais no joke, ouais, c'est que ça se peut que ce soit... Non, mais ça va être drôle au pire, c'est ça que je veux dire. Si on veut pousser Matt dehors, t'es notre seul espoir. Ouais, mais... J'essaie de me mettre une blague. J'essaie de me mettre une petite touche personnelle dans l'enregistrement. C'est d'ailleurs un petit peu avec nous autres, mais on peut-tu garder ton ordi puis ta console? Tout ton esti de gear. Je te rachète tout ça 20$. Hey Matt, ferme ta calice de gueule. Petit bon gag. J'adore ça. Fait que c'est fini pour ma chronique. C'est fini. Ça dérape pas mal à soir. Ouais, on est un peu éparpillés. Oui. Tout est quartier dans Paris. Yes, spread that ass. Classic Prince. Pour Benoît. J'ai tout à coup très peur de ta chronique. Pourquoi? Non, parce que... Hein? Vas-y. OK. OK, ouais, ouais, ouais. J'y aille? Ouais. J'ai peur qu'on ait la même affaire. All right, fait qu'on continue avec la chronique à Justin, parce que c'est moi qui anime. Tabarnak. Excusez. Tabarnak. Moi, je sa de console. Matt, il ferme sa calice de gueule, lui. Non, mais pas capable de parler, mon calice. Ouais. Bon, ben parfait, c'est la chronique à Justin. C'est ton petit bain. Tu vas te fermer ta gueule? Ah, c'est chier. Je te dis, allez-y. Oh, je vais commencer, Chris. Yeah. Moi, cette semaine, j'ai un éditorial. Faut qu'on parle de certains problèmes qu'on a en société. Puis j'ai, entre autres, écrit ma chronique avant que Nat... Hey, tabarnak, là, Marco, là, justement. Hein, ce genre de comportement-là. Là. Excusez-moi. Ouais. Sans phoner. Moi, taper les fesses avec une règle. Bon. Que je m'excuse.
Moi, cette semaine, je vais vous parler de masculinité toxique. Écoute. Justin qui fait « Cette semaine, je vous parle de masculinité toxique. » C'est bon, on peut closer le podcast. Le gars avec la plus grosse barbe, genre. Hey, il est quoi, là? Tu savais-tu, genre, des stéréotypes encore, toi, là? On est en 2017, c'est fini. Ah, okay, je m'excuse. T'es pas un gars, si tu arrêtes d'assumer c'est son vrai, genre. C'est vrai, c'est peut-être même pas un gars, c'est je m'excuse. J'aurais dû regarder à l'intérieur de toi. Tu aurais dû me demander. Bon. Non, mais là, il y a vraiment des problèmes qui sont très graves, puis qui affectent la société, puis qui ont vraiment des conséquences auxquelles il faudrait faire face. Mm-hmm. J'ai plusieurs points à aborder aujourd'hui. Premier point. Trois quarts des personnes sans-abri sont des hommes. Je pense que ça, c'est... On les salue, sauf que, messieurs, c'est à vous que je parle. Esti, les femmes n'ont pas commencé à travailler pour avoir besoin de vous donner du change dans la rue. Trouvez-vous une job, puis arrêtez de nous fâcher. OK. Écoute, là, faut qu'on s'attaque au vrai problème. Là. Ben oui, ben, clairement. Il y a clairement une inégalité dans ce milieu-là, puis moi, je pense que l'inégalité est encore pire que dans le milieu du tech. Là. Faut que ça change. Ensuite de ça... Les femmes ont autant le droit de quêter, Calis. Ah ouais, ça devrait être égal. Oui. On veut de la diversité dans le quêtage. On veut plus de femmes dans la rue. Ouais, c'est ça, exact. Ils vont plus de femmes dans la rue. Ils vont commencer à couper les emplois puis augmenter le loyer de certaines filles genre, qui sont sélectionnées. On veut des actions affirmatives, OK? C'est ça qu'on veut. Wow. On veut que le gouvernement mette des actions en place. Ensuite de ça, prochain point, 93% des morts en milieu de travail, c'est des hommes. Hey! Arrêtez de travailler comme des hosties de cabochons. Vos blondes sont obligées de prendre congé pour organiser vos funérailles puis s'annuler à leur carrière, tabarnak. Ouais. Ils n'ont pas rien que ça à faire. Ouais, puis Claude Legault commence à avoir plein de cul là-dessus. Ouais, parce que je commence à être écœuré de voir plein de femmes, plein de potentiels obligées de prendre des congés à cause de vos hosties niaiseries. Attache-toi ton hostie de toi. Attache-toi quand tu montes dans l'hostie d'échafaud. Arrête de respirer ce qui sort du marteau piqueur. Tu sais que c'est pas bon, toi. Ensuite de ça, 76% des victimes de meurtre sont des hommes. Votre petite culture de mort qui vous encourage à attraper des balles puis des coups de poing avec vos têtes. Arrêtez ça, c'ti. Personne qui trippe. Puis les femmes aussi ont le droit de jouer, OK? Fait que laissez-leur plus de place. Tout ça qui nous emmène, en plus, au fait que les hommes, au final, finissent par vivre 5 ans de moins en moyenne que les femmes. Inacceptable. Totalement inacceptable. J'aimerais que les hommes présentent un petit peu plus de gratitude à la société puis qu'ils arrêtent de crever puis qu'ils commencent à payer des couches jusqu'à leur vieil âge parce que ça fait rouler l'économie puis qu'on a besoin. Il faut qu'on crée des jobs. Plein de monde dans la rue en ce moment. On a déjà parlé. Moi, je pense que tu nivelles par le bas en ce moment. Moi, je crois qu'on devrait plutôt abaisser le niveau de vie des femmes. Puis mettre, dans le fond, un âge plafond. Un âge plafond, tu peux pas dépasser. Exactement. Action affirmative. Ouais, moi, je pense qu'à partir de l'âge de la retraite, à bout portant. Ouais, exact. On m'a envoyé la police, puis on met de la musique bien forte avant que la police arrive. Fait que, hey. C'est comme, monsieur, je pense prendre ma retraite bientôt. T'es-tu sûr? Sûr. Sûr que tu prends ta retraite, tabarnak? Tu paieras plus d'impôts, là. Tu vas coûter cher après ça, là. Je suis pas sûr si ça me tente, moi. Je sais si je veux payer pour ça. Je pense que la raison pourquoi les hommes se suicident souvent, c'est parce qu'ils font plus rire que les femmes. Clairement! Absolument, Phil! Oh ouais! Le lien est tellement fort que je comprends pas qu'on l'a pas vu avant. Ah, je suis sûr que vous la voyez pas venir. Dropping some fruit bombs! Oh my god! C'est malade, le gars il écoute la TV. Puis sa femme, il parle, puis il fait « T'es tellement pas drôle, je m'en vais me pendre. » Je vais pendre nos enfants en même temps. Classique brain culture. Parce qu'ils savent pas c'est quoi le suicide qu'ils ont besoin d'enturer ça, Colin. Nope. Il sort de sa maison, puis à chaque fois, il fait un rire genre de soulagement, parce qu'il est comme « Enfin un monde où est-ce que tout est possible, puis je peux rire. » Enfin, un monde qui est le fun. Le monde n'est pas gris dehors. Ah, mais oui, pour continuer sur ce que je disais, si vous continuez de crever comme ça, ça force toutes vos blondes à genre réinvestir l'argent de vos assurances-vie dans comme un investissement avec un bon rendement.
puis à finir leur vie comme millionnaire, puis à laisser un coussin confortable financier à vos petits-enfants. Puis qui c'est qui veut ça dans la vie? Personne, OK? Fait que faites attention à votre santé, arrêtez de manger gras. Ensuite de ça, 40% plus de morts de cancer sont des hommes que des femmes. Clairement. Ouais, ben ça, j'ai pas vraiment de joke, là. Je fais juste. Je suis un scientifique, je comprends pas pourquoi. J'ai pas vraiment de solution. En général, les gars sont encore les plus, puis ils font moins attention à eux, genre. Marco, ta science, là. Ça marche pas de même. Non. La cigarette! Okay. C'est pas vraiment. Ouais, c'est pas juste dire des mots. Y a-tu une corrélation, mettons, le pourcentage d'hommes qui fument plus que des femmes? Je pense que oui, en fait. Sûrement, ouais. Ouais, je pense qu'il y a plus d'hommes en général. Les... Ouais, ben on boit plus aussi, puis on fait tout plus qui est calme aussi, en général. Exact. Genre. Les filles réfléchissent plus, j'ai l'impression. Ce que tu dis, Marco, c'est des mots, puis là, ça nous prend des actions. Ouais. Ok, j'ai une astuce bonne idée. On se fait des pancartes, puis on sort dans la rue. Contre la cigarette. Ok, contre la cigarette. Là, c'est de quoi de constructif? On veut que les femmes fument plus. Fumer! Ben exactement. Gros, non, parce que encore une fois, vous comprenez pas, c'est de l'incitation. Ça marche pas, ça. Ce qu'il faut, c'est tout simplement qu'une fois par semaine, les filles sont obligées de prendre du. Hey, du dust-off. Ben j'ai perdu mon gag, là. Il vient de finir, là. Hey, Chris, c'est pas grave. T'as failli en esti, hein? À toi. Hey, je vais toujours Nathaniel m'a shooté de l'air, ma tabarnak. De l'amiante, j'ai trouvé, de l'amiante. Ah, tabarnak. On les shoot à l'amiante. Hey, tu sais pas ce qui s'en vient, Nat? Regarde mon prochain point. Pour ceux qui chialent et qui disent que les hommes font des jobs plus dangereux ou qu'ils sont exposés à plus de produits, genre, chimiques, ben, si vous étiez pas deux fois plus à drop-out du secondaire, vous auriez pas besoin de prendre des... vous auriez pas besoin de prendre des hosties jobs de merde qui font respirer de l'amiante toute la journée. Hein? Hein? Shout-out au chantier. Portez vos casques. Ben beurré. L'huile marche aussi, by the way. Ah ouais, très bon lubrifiant. Pouvez beurrer ça avec de l'huile. L'huile d'olive, on a aucun problème avec la cuisine grecque. Ouais, c'est vrai la ça. mais j'ai quand même un point que je voulais donner aux hommes. Je suis fier de vous parce que vous réussissez quand même à perdre dans 84% des cas la garde de vos enfants en cas de divorce. Je trouve que c'est parfait parce que, anyway, on sait tous que vous avez rien de bon à apprendre à vos enfants. Hashtag stéréotype. Oh. Et voilà! C'était la fin de ma chronique! Ouais, c'est bon! Je me sens bien en tant qu'homme. J'aime ça, les chiffres. Ouais, mais c'est ça. Ouais. Faut qu'on règle les affaires. Ah oh, oui, par des vrais problèmes sociaux aussi. Une chose à la fois. Puis j'aimerais être ministre. Petit train va loin. Ouais. Petit train va loin jusqu'à Lac-Mégantic. Petit train va loin. Fait que moi, cette semaine, dans le fond, après les tremblements de terre qu'il y a eu au Mexique qui ont tué, c'est quoi? C'est 200 personnes. 200 personnes, ouais. Je pense qu'il y en a eu d'autres après. Je me suis dit, vous sortez les tremblements de terre répertoriés qui ont le plus de morts. Yes! Yes! Yeah. Il est mort! Faut comprendre que le site que j'ai trouvé, l'article que j'ai trouvé, il est sorti en 2011. Donc, s'il y en a d'autres qui sont sortis après, je les ai pas. Mais en tout cas, je pense que ça devrait être en masse, anyway. Le premier tremblement de terre, il prend place à Port-au-Prince, en Haïti. Le 12 janvier 2010, à 16h53, heure locale, une secousse comprise entre 7.1 et 7.3 de magnitude a frappé Haïti. Son épicentre était situé à 25 km de Port-au-Prince, la capitale du pays. Au moins 230 000 morts. 230 000? Tabarnak! C'est quoi, 230 000. Chris, c'est quoi? Tu vas m'annoncer qu'ils vivent dans des petites sheds qui tiennent à peine? Chris, on croirait que les maisons sont faites en tôle. C'est bon. Tu veux dire qu'ils vivent pas comme nous? Non. C'est quand même drôle que t'es à Haïti. Puis... Oh, tabarnak. Ah, sinon, j'ai commencé avec le plus gros. Fuck, j'ai eu mal. T'as mal regardé tes affaires, hein? Ouais. Ah, non! Ok, non, c'est... Ok, non. Non, t'es juste perdu. Ouais, ok. Fait que l'autre tremblement de terre est un tremblement de terre qui a eu lieu à Kanto, au Japon. Ce tremblement de terre-là a dévasté les villes de Tokyo, Yokohama, puis provoquant des gigantesques incendies en tuant 142 000 personnes. C'est quand même pas mal. Des rumeurs selon lesquelles les Coréens étaient en train de voler et d'empoisonner les puits ont ensuite conduit à de véritables pogroms et la mort de 2500 immigrés non japonais. What? Quoi? Wow! Il y a eu des pogroms pour vrai? Ouais, je sais même pas ce que ça veut dire. C'est les gens se mettent ensemble puis ils tapent des gens. Des C'est comme des PI. C'est pas de taper, mais c'est un exemple de pogroms en Ukraine quand les Allemands ont envahi certaines villes ukrainiennes.
les Ukrainiens étaient assez antisémites, qu'il y a des pogroms dans le fond où les civils se rassemblaient, puis ils battaient les Juifs, ils forçaient à transporter les cadavres. C'est ça un pogrom. Okay, ouais. Wow. Wow. C'est un peu comme un festival. C'est un festival. C'est un festival. Peu comme un festival improvisé. Il y a Oshiaga, puis il y a les pogroms. Oh, Oshiaga, ça s'organise-tu genre au club de loisirs de la ville de Sainte-Julie? Ouais, par exemple, t'as plusieurs types de pogroms. Tu peux aller voir l'hôtel de ville. Toi, à l'ancienne. J'aimerais qu'on me réfère aux loisirs, s'il vous plaît. Ah, le gars, il sera comité des pogroms. J'ai peur quand même un peu de parler au travers de mon cul en ce moment. Là, mais... Je suis sûr que t'as raison, je te fais confiance. Pas mal sûr, j'ai raison. J'ai pas le temps de vérifier. Faire une recherche. Ça a l'air quand même assez étoffé, genre, pour. Moi, ça me convainc, en tout cas. Moi, c'est une source fiable. Ouais, le prochain tremblement de terre a lieu à Ashgabat en 1988 en Turkménistan. Le Turkménistan, ouais, c'est en Asie de l'Ouest, une ancienne république de l'URSS. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Des films pis des bands, genre. J'ai une blague justement là-dessus. Tu sais, comment t'appelles un gars dans ce coin-là là, qui va à l'urinoir? Ash Galbat! Une secousse d'une magnitude de 7.3 a frappé la capitale de la Turkménistan. Ashgabat. Yeah! La petite pause que t'as faite juste en disant comme « Ah, calice! » Ouais, faut que tu dises le style, non. Ouais, ok. Ashgabat. Il y a un côté aussi qui me permettait de gagner du temps pour être capable de l'articuler dans ma tête avant de le dire. En 1948, elle a détruite en grande partie. Selon le gouvernement du Turkménistan, le nombre de morts atteint 176 000 personnes. Tremblement de terre a tué la mère du futur dictateur Sapar Murat Niyazov. C'est quand même bien. Ouais, mais... Ouais, non, je pense que ça a tué sa mère du futur, genre. Fait que... Il est pas né. Il est né à ce moment-là. C'est juste qu'il était pas dictateur à ce moment-là. Oh. Fait que est-ce qu'il y a une corrélation entre le fait qu'il ait commencé... Que sa mère est morte puis qu'il est devenu un dictateur après? Exactement. Oh genre, my God, je le sais pas. Ça peut être un événement troublant de sa vie qui... ouais, je sais pas. Probablement. Je connais. On a sa mère ici en studio pour lui demander... Je sais pas. Grosier, là. Quoi? Peu importe c'est quoi qu'elle dit, là. Je sais pas. Le prochain prend... Elle dit quoi de même, genre? Le prochain prend place à Hokkaido, au Japon, en 1730. Une secousse de 8.3 de magnitude a touché la deuxième plus grande île japonaise, celle d'Hokkaido, provoquant des glissements de terrain et un tsunami qui ont tué 137 000 personnes. C'est fair, c'est fair. Ouais, c'est fair. Fair play. Le prochain, il prend place en Iran, à... Ardabil. Le 28 février 1995, une secousse de 15 secondes dans tout le nord du pays. Il a tué 150 000 personnes. 150 000? 150 000, ouais. En Turquie? Mmh. Ouais. En Iran. Ah, en Iran! Ah! Oh. Ouais. Même les Iraniens, ils vivent pas tant... Chris, leurs bâtiments sont pas aussi pires, me semble. Aux Iraniens. Ouais, mais c'est pas une zone à grosse intensité sismique, là. Fait que leur building doit pas être construit pour ça. C'est pas comme genre à San Francisco, là. Ouais, mais en même temps, mettons ici, là, pas dans une zone à forte... S'il y avait un 7.1 à Montréal, il y a bien des affaires qui crissent le camp. Là. 150 000 morts, quand même! Ben, ça dépend. Ouais, j'imagine dans les effondrements. Je suis peut-être impressionné par les chiffres. Ben, le problème, c'est qu'en Iran, la capitale ne produit pas assez d'architectes compétents. Et de femmes drôles. Fuck, il m'enlève les mots de la bouche. Okay. Oh fuck, tu te les dis pour vrai? Non. Okay. Mais c'est meilleur. Fait qu'on va regarder celle-là. Toujours en Iran, en 1856, un tremblement de terre de magnitude 8.0 a frappé la capitale de Damghan et chaque village ou ville située dans un rayon de 350 km. Puis là, il y aurait eu 200 000 morts, esti. Situé entre... ouais. Je pensais que ça allait lever. Pourquoi j'ai ri, moi? Je pensais que ça allait lever. Je sais pas pourquoi j'ai ri. T'as dit 200 000 morts, ça m'a fait rire. Ça doit être fatigué. Ça, ouais. Il y a rien de drôle là-dedans, mais j'étais comme...
Finalement, c'est tout le temps répétitif. Ça va où ton affaire là? Je sais pas. L'as-tu lu avant, Carlis? Ouais, je l'ai lu. Ok, ok. C'est plus drôle tantôt. Il était chaud, genre, en matin, c'est disant. Non, mais c'est parce que. Ça va être bon. C'est parce que tantôt, j'avais préparé toute une entrevue pour Alex BL. Jusqu'à temps que j'apprenne, genre, une heure et demie avant que j'arrive, que finalement, il viendrait pas. Non, non, c'est pas grave. Ça a fait la même chose pour moi parce que moi, j'avais pas prévu parler. Vous êtes quatre, puis là, tout à coup, c'est comme. Ouais, il faut une chronique. C'est comme. Ah. Mais ouais, c'est que j'avais pas vraiment le temps d'en préparer. Mais vous allez voir, vous allez être déçus tantôt. Continue. Ah, c'est cool. Bon, ben, ça va faire deux chroniques de marde. Ah, c'est parfait. Ouais. C'est... Meilleur épisode, c'est Yeah, but we got the class. En 2004, les tremblements de terre sous-marins peuvent être... Mais tu peux pas continuer, là, à partir de maintenant. Ouais, là, tu peux pas faire comme... Truc. Ouais, c'est répétitif, hein? Fait que... Ok, moi, il y a avec le premier, puis arrête, c'est là. Genre... Ouais, c'est la calice de marde. Le numéro 1? Numéro 1, ouais. Ok, ok. Le tremblement de terre de Shaanxi en Chine en 1556. Je comprends pas par exemple comment ils font pour répertorier genre des trucs qui sont arrivés genre des écrits. Le monde écrit. Ouais, mais en 800 cuc, y avait-tu des Oui, les gens qui fait en 800 cuc. Y avait-tu quoi? Ben si je suis calme. Comment ils faisaient écrire pas d'ordinateur? Oh man, le que... Oh, je me tue dans le pire. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est non, non, mais c'est pas grave, c'est tu, là, tu le sais. Connu aussi sous le nom du tremblement de terre de la province de Hua, il serait le plus meurtrier de l'histoire et aurait entraîné la disparition le 23 janvier 1556 d'environ 830 000 personnes. 830 000 personnes, man. Ça, pour vrai, c'est colissement impressionnant. Hey, 830 000 personnes, c'est genre... Hein, j'ai beaucoup de comparatifs, mais c'est genre... J'allais dire Québec, mais non, c'est colissement plus gros que Québec, genre deux fois Québec. Ouais, c'est genre... Non, 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 non. Non, mais c'est pas mal Québec, je te dirais, là. C'est à peu près genre 200 000 fois nous quatre. Ouais, ouais, à peu près. Si, ça vous donne une bonne idée. Ouais. Tu prends un stade de 100 000 personnes, puis tu le remplis... C'est 8 fois ça. C'est genre Montréal, je pense que c'est... Genre, avec les des maths de même, 4 millions. Avec les banlieues, on est 4 millions à Montréal. 4 millions? Ouais. Avec les banlieues. Tu sais, Québec, ça doit être on 1 est 8. Million max. Ben, au maximum 1 million. Québec, on est genre 8. C'est comme la ville millions, de Québec ouais. Au complet qui meurt d'un coup. Deux fois. Ils meurent, ils reviennent, ils meurent. Ah, c'est 400 000 la ville de Québec? Je sais pas. Sans Québec, c'est genre 400 000. Montréal, ça doit être ça, 830 000. Non. Sur l'île, c'est 2 millions, je pense. Ouais. Ouais. Il y a le quart du Québec, est-ce qu'il ouais. Est à Montréal? Ouais. Oh. Ouais. J'avais pas ça. C'est un peu pour ça que le Québec est jaloux. C'est 500 000 à Québec. Ouais. Ah, fait que c'est quasiment deux fois Québec. Fait qu'imaginez-vous que beaucoup de gens souffrent d'un coup sec. Vite. Puis que là, c'est bien du monde. Puis que là, toute cette ville-là, genre, elle sera populise, puis tout le monde est là, une deuxième fois, puis il meurt. Ouais. C'est ça qui est arrivé cette fois-là. Puis il y aurait 3-4 radios à Québec, ça dirait c'est la faute des immigrants. C'est la faute des immigrants qui franchissent la frontière, ça perturbe les plaques tectoniques. Ils sont pas comme nous autres. Pas comme nous autres, ils ont chaud. Ils sont laids, puis ils parlent weird. J'y comprends pas, puis j'ai peur. À cause de ça qu'il y a des tremblements de terre. Les tornades, là, c'est eux qui les ont amenés. On n'avait pas avant. Faut pas penser qu'ils sont tous comme ça, OK? Bombe, genre, j'ai quand même vécu à Québec, mais ils sont beaucoup comme ça. Mais ils sont pas tous de même, là, non, OK? Mais il y en a beaucoup. Honnêtement. Ben, honnêtement, ils doivent en avoir beaucoup à Montréal aussi. C'est juste qu'on il y en a beaucoup à Montréal aussi, c'est sûr. Ouais, c'est juste ça. C'est juste la proportion. Mais ils sont plus vocales à Québec, genre. Ouais. C'est comme, ouais, shit, la galère, tu sais. Ça dépend. Ouais, c'est blanc. Les BS sont pas payés vocales à Montréal, je trouve. Ouais. Dans l'Est, lui. Ouais. Ils sont à Schlag. Dans l'Est, tu sais. Quand c'est français, là. Non, mais en tout cas, non, non, mais c'est vrai. Québec, pas tout de même, mais comme à Québec. Mettons, il y en a qui sont de même. Oh, c'est moi, je trouve ça drôle comment que Schlag à Montréal, c'est genre les étudiants marxistes et les Québécois à souche raciste qui vivent. Ouais, c'est à peu c'est genre la population de Schlag. C'est des marxistes puis du monde sur le BNR social qui s'entendent super bien tout le monde ensemble. La même réalité. Ils ont mis ensemble pour cette raison-là. Les marxistes s'y enleront pas contre le BS, jamais. C'est une manifestation de marxistes puis t'as genre le monde en triporteur qui font la sécurité sur le côté. Ils arrêtent les BS juste pour leur dire non, tu contribues par ta présence. Je sais que tu fais faut t'es né donc tu contribues, c'est normal t'es né donc t'es important, c'est normal que tu reçoives quelque chose.
développes une valeur intrinsèque en tant qu'individu. Ah, not! Fait que, dans le fond, le tremblement de terre a détruit une zone de 800 km², tuant 60% de la population qui y vivait. Tabarnak. C'est intense en tabarnak. Et où est-ce en dessous de petites huttes faites en genre roche très lourde? Non, je sais pas, man. Je sais pas. Sur un témoignage écrit, les montagnes et les rivières ont changé de place. Les routes ont été détruites. À certains endroits, le sol a soudain monté pour former des nouvelles collines. Il s'est brutalement affaissé pour devenir des vallées. Ça devait être un poète qui a écrit ça, parce que pour vrai, les montagnes qui changent de place, ça m'étonnerait en tabarnak. Non. Ouais, non, ça existe. Les tremblements de terre. Ça arrive. Genre, en Himalaya, au Népal, ils reprennent souvent les mesures des montagnes. Comme ils s'apprêtent à reprendre elles de l'Everest parce qu'ils bougent beaucoup à cause de l'activité sismique. Il a baissé. Justement, il s'affiche. Mais assez pour que le gars, à l'œil nu, a fait comme. Elle a bougé. Ouais. Pour vrai, ça se pourrait. Le gars de l'ONU s'est pointé, il a pris son tape, il a fait je suis sûr, les gars, il va falloir remesurer ça. Je suis sûr, là. La dernière fois, je partais de l'arbre qui est là, je mesurais, puis là. Il demande à son chum de tenir le tape à un bout. Ouais. Il va à l'autre bout mesurer, puis quand il a fini, il donne un coup, ça se trappe. Que l'autre au bout, de façon, ok, je suis correct, je peux m'en revenir. Ouais, c'est à partir de quoi qu'il mesure, genre Ça, il prend un point fixe pour commencer à le mesurer, là. Mais genre, tu peux y aller avec l'ombre de la montagne, mais ça c'est bon au niveau de la mer, là. Mais souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils font par triangulation, me semble. Ils prennent comme deux points, okay, comme avec les pyramides, là, genre il prend l'ombre puis met un piquet à terre, genre, puis il fait juste comme son fallait qu'il leur mesure parce que justement il y a eu beaucoup d'activités sismiques, puis ils savent plus si l'Everest était en fait encore la montagne la plus haute, parce qu'il y a une autre montagne à côté qui était comme peut-être 50 mètres moins haut, mais là ils savent plus si c'est encore vrai. Ouais, parce que même qu'elle aurait peut-être soit monté, soit que l'Everest serait descendu. Les montagnes bougent, c'est fucked up. Fucking shit. Ben, je pense pas qu'elle a une nu, il le voit, là, on s'entend. Non. Ouais, ben c'est ça, je veux dire, c'était plus il comme de... Pas, lui, le gars, était devant la montagne, puis il l'a vu faire... Quasiment comme genre le château dans Robin Hood, Men in Tights, là. Genre comme ta voix comme bouger. Ah, ouais. Genre la maison Bonneville tirée par des chevals. Ouais, c'est ça. Ah, c'était marrant. Ah, fait que c'est ça, là. OK, mais il faudrait faire un peu plus de temps, ça fait qu'on pourrait se lancer dans une discussion ouverte avant ma chronique. Ah, ouais, ben cool, oui, on peut faire ça. T'as-tu une idée de discussion ouverte? La fille, c'est un paquet de cigarettes. Laquelle? Celle qui est vraiment genre... C'est quoi son nom? Attends une minute. Barb Tarbox died at 42 of lung cancer. On s'en calisse dessus, avec un peu. C'est vrai qu'on s'en calisse. Non, mais c'est vrai, Barb, là, Chris Tailleul. Eh ouais. Tabarnak. Elle est dégueulasse. Sacrament. En tout cas. Tu pourrais être ça, toi, Justin? Ah, check, elle est chauve. Elle a un trou dans la gorge, je dirais pas non. Est-ce que c'est pas correct? Ok, j'ai quelque chose. Je me sentais mal aux mesures. À mesure que t'allais, c'était ta comme avec Chris que je devrais pas. Ouais. Mais moi, je voulais faire un shout-out au sismographe qui a été inventé en l'an 132 en Chine. Fait que en l'an 1800, il y en avait Marco. Pas en 1800, en 800. En 800? Tu dis qu'il y avait des sismographes? Ben, en 132, c'était inventé. T'as-tu dit qu'il y avait des sismographes? J'ai pas le début de ta en 800. Hein? Non. En 1800. J'ai dit 1800. Je pensais qu'il y avait 1800 tantôt. J'ai compris 800. Je comprends, en l'an 800, genre, il y avait des sismographes pour mesurer les... Non, c'est ça. OK. En 800, il y en avait aussi. Ouais. Ils l'ont inventé le premier en 132. Il n'y avait pas encore l'échelle de Richter, par exemple. Je sais pas comment ils ont calculé ça. Je sais pas comment ils ont jugé l'intensité. Mais pareil, c'est vieux. Mais c'est à base, c'était juste un poids suspendu autour d'une surface de sable plane. Ouais. Puis quand le sol se mettait à trembler, le poids allait, le poids suspendu au bout d'une corde allait comme bouger sur la surface de sable plane, puis faire comme des dessins, puis shaker. Le plus gros, le dessin, le plus weird, c'était le plus gros, le tremblement de terre était. Ah, check mon dessin, moi. Ouais, mais c'est ça veut dire qu'il y a du monde quand même qui a commencé à faire ça. Comme, oh, Chris, c'est une catastrophe naturelle. Alright, on va regarder. On va le mesurer. Ouais, ouais. Ben, pas de idée. Il mesure à partir du point central, genre. Hein? C'était quoi la science, Marco? La plus grande. Hein? C'est vrai. Mais c'est quand même fou, là. C'est comme Pythagore. Non, mon Dieu, c'est pas Pythagore, tabarnak. Mais... Calis, comment il s'appelle? Celui qui a mesuré, le grec qui a mesuré pour la première fois la mesure de la Terre, là. Hein? Il a presque eu. Il y a un grec, c'est... C'était comme une centaine d'années après Pythagore, je pense, je sais pas trop. Mais il a réussi à mesurer le contour de la Terre, parce qu'eux autres, ils avaient allumé, les Grecs, que Christ était rond, la Terre. Ouais, mais ça, le monde le savait depuis longtemps. Ouais, il faisait longtemps, puis que il a réussi à calculer le tour, genre la circonférence de la Terre, c'est combien de kilomètres, puis il l'avait presque.
Ouais, il était vraiment proche, là. Il était colissement pas loin, là. C'est comment qu'il avait fait ça? J'en avais entendu parler. Il a planté un bâton dans terre. Ouais. Puis à midi, il a checké l'angle du soleil. Mm-hmm. Puis il a pris une ville. Il a demandé à quelqu'un de calculer la distance. Il était en Égypte, je pense, genre, mettons, en Alexandrie. Ouais, puis il a pris une autre ville en Égypte. Puis il a dit à un gars, calcule-moi la distance. Puis il a planté un poteau là, dans l'autre ville. Puis à la même heure, il a pris les deux, la mesure de l'angle du poteau pour les deux. Wow, okay. Puis il s'est rendu compte que à la première ville, il y avait un angle, dans le fond, à Alexandrie, mais à l'autre, non, il n'y en avait pas à midi. Fait qu'il a calculé avec l'angle de l'ombre puis la distance, il a fait la triangulation, le calcul de Pythagore, puis il a donné la circonférence de la Terre. Moi, ma question, c'est il n'y avait pas de monstre de à cette époque-là. Comment il a su que c'était à bonne heure, le tabarnak? Oh. Ben, hein? Moi, je pense que ça, c'est tout. Mais la marge d'erreur était Ben non, l'horloge. Honnêtement, ça sonne comme une histoire inventée par les globalistes pour nous faire croire que la Terre est ronde. En fait, est plate. Les reptiliens. C'est pour ça qu'on change d'heure. Les reptiliens. C'est exactement pour ça. C'est parce que c'est plat. Oh, ouais, je pense que c'est quelqu'un qui. Je pense que le soleil, il n'existe pas non plus. C'est une genre de lumière dans un studio qui pop. Ouais, c'est juste un hostie de gros spot. Ah ouais, man. J'ai quelque chose pour brûler du temps, peut-être. C'est qu'on est le fun. Where did you sleep last night, la version originale ou elle de Nirvana? Je connais pas. J'ai pas entendu la vraie. Quoi? Bon. Pour être honnête. C'est réglé. J'ai rien compris. Fait que je vais dire Nirvana. Ok. Nirvana aussi. C'est qui l'original? L'original, c'est qui, ouais? C'est. Led Belly? Ouais, exact. C'est Led Belly qui l'a fait. C'est ça. Bon, ben, je l'ai pas entendu. Hey, on a fait une minute. Ah oh, oui, je pense que je l'ai déjà entendu. En tout cas, ben, je dirais Nirvana pareil, mais. Parce que l'autre est vieille. Ah, on n'aime pas ça le vieux stock. Continue avec la chronique à Nat. Et tabarnak. Tabarnat. Ah, ouh. Sacrement, tu as step up ton game, toi. Si. Hey, je sais pas, là, j'ai une dose d'énergie. Ah ouais, la drogue. Arrête-moi ça, j'ai peur. Moi, le fuck, c'est qu'au début, j'étais pas censé parler. Parce qu'Alex Bell était censé être là. Et finalement, Alex Bell n'est pas là. C'est que là, il fallait un quatrième gars. C'est que c'est moi. Mais j'avais quelque chose de prêt. Qui était mon appel à Fabi la nuit. J'avais fait. Ça marche pas. Je peux peut-être essayer de le mettre. J'essaie de gosser, mais ça marchait pas quand j'avais pogné. J'étais pas capable de lire. Ah, tu l'as pas. J'ai réussi à le. Non, mais je lis sur Facebook, mais j'avais réussi à le lire ailleurs. Mais là, de toute façon, je l'ai écouté, puis c'est. C'est pas drôle. Non. C'est surtout malaisant. Attendez, je vais l'essayer, mais c'est surtout très malaisant. Si t'es capable, parce que c'est moi qui fais un espèce de personnage. Puis je parle d'hockey. Puis il y a Fabi, genre, justement, que Fabi la nuit, que c'est une émission au 98.5. Et sacrement. T'écoutes trop le podcast. Ouais. Oui. De minuit à 3h du matin, il prend les appels des gens. Et dans le fond, comme j'avais expliqué, j'ai appelé pour parler d'hockey. Moi, j'écoute aucunement l'hockey, je connais rien. Puis mes amis m'ont donné des noms à y parler. Puis je me suis rendu compte, c'est pas drôle, genre. C'est probablement parce qu'on était là, c'est malaisant. C'est comme écouter The Office, genre. Ouais. C'est juste cringe à écouter. Mais écoutez, on n'a rien à faire, c'est que je vais me ridiculiser en faisant une chronique de marde, puis je vais mettre ça. T'aurais pu juste, genre, pogner la ligne, commencer à parler normalement, puis demander dire « Je veux te sucer ». Puis là, il aurait raccroché. Hey, c'est drôle, ça, été fait, hein? Après bon, ça, on va regarder des photos du mariage de ma cousine. Oh, ben, tabarnak! Ça, j'ai hâte. Mais ouais, c'est ça. Puis là, vu que ça marchait pas vraiment, je me dis « Bon, je vais pas faire ça ». Puis j'avais pas vraiment le temps de préparer une chronique. Ça fait que j'allais parler d'un sujet qui était comme vraiment pas drôle puis un peu lourd. Ça fait que... Ben, vas-y fort, on est vrai. Bon. Mais c'était à propos de... Ben, c'est juste avec mes connaissances, dans le sens, parce que c'est simple que j'avais pas le temps de rien préparer. La Catalogne qui sépare. Ah, oh, ouais! Madrid qui veut pas qu'il se sépare. Qui envoie la police pour, genre, saisir... Arrêter le gouvernement catalan. Oui, ouais. Carrément. Et ça commence à dégénérer vers... Petite saveur de guerre civile en Espagne, de guerre civile, puis dictature. Ah, oh, ouais, ouais. Et, oh, wow. Et j'ai entendu à la radio l'autre jour une femme qui disait... ouais, mais dans la constitution espagnole, ils peuvent pas faire de référendum pour se séparer. C'est légitime que le gouvernement espagnol fasse ça. Et le gars qui parlait, il a expliqué que c'était une conne, puis il l'a bien fait. Mais
au cas où plusieurs personnes penseraient comme elle, je me disais, vite, avec mes connaissances, j'allais peut-être essayer d'éclairer le sujet. Okay. Fait qu'il n'y a pas d'humour, hein? Fait que, non, c'est correct. Tout simple que ça. Correct. Moi, j'attends le jour où Marco me crisse dehors. c'est chez nous ici. C'est chez nous, des calices. Ça dérange-tu si on joue au Xbox en même temps? Ouais, ouais, on joue ça à risque, les gars. Quand tu pourrais commencer tout de suite à faire la bouffe et tout, moi je vais parler tout seul, ça va être parfait. Non, mais c'est intéressant quand même parce que je suis pas au courant de ça. Mais c'est ça, c'est que la Catalogne qui décide de se séparer un peu comme même principe que le Québec puis le Canada, puis l'Espagne qui veut pas. Et la raison, en fond, ça nous ramène tout le temps à la notion de peuple. Au final, et de nationalisme. Non, pas nécessaire. Ben, oui et non, mais surtout d'autodétermination des peuples. Ouais. Le droit à un peuple de décider de son avenir. Et quand on revient loin, dans le fond, un peuple, c'est quoi? C'est un ensemble d'individus avec des caractéristiques communes qui décident de s'associer en se créant une histoire, dans le fond. Et c'est tout simplement ça. C'est toute notre société, dans le fond, un peu nos pays, nos cultures, nous, sont séparés par le fait qu'on a une histoire commune avec certains membres de la population et d'autres non. Ce qui mène à ces ensembles-là de cultures s'assemblent entre elles pour définir, pour faire des pays. J'allais faire une chronique justement sur le Canada, sur le fait que nous, c'est pas ça, puis c'est drôle en tabarnak. Parce que le Canada, c'est un esti de pays de marde quand on regarde l'origine. C'est un business deal. Le Canada qui est un business deal qui a été conclu par John A. McDonald, qui était un raciste avoué et un alcoolique important. C'est dans les histoires. Parce que j'ai juste guessé ça de même. Un gars sur nos 5 piastres. Oui, exactement. Puis il y a des témoignages de gens qui, par exemple, l'auraient vu se promener dans la rue Sous en insultant des autochtones. Oh wow. Ça va être chez nous dans pas long ici. I just made a deal, you're mine. Et peut-être j'en reparlerai une autre fois, mais au final, le 150e du Canada, c'est plus le 150e d'un chemin de fer. Ouais, plus que d'un pays. Carrément. Et dans le fond, ce qu'on retrouve, c'est que ce peuple, dans le fond, qui est la Catalogne, qui est le peuple catalan de la région de la Catalogne en Espagne, a des différences notables avec le reste de l'Espagne. Et c'est la raison pour laquelle eux autres, ils se sentent un peu différents et qu'ils veulent se séparer. Ouais. Et là, l'importance de pourquoi il faut les laisser faire, c'est qu'on le veuille ou non, ce peuple-là, qui est composé d'individus qui se sont réunis entre eux, ont des droits individuels de décider de leur avenir et qui donc créent collectivement un droit collectif à décider de son avenir, qui est le droit d'autodétermination des peuples, qui est celui de la Catalogne actuelle, oui, justement. Mmh. Mais moi, j'ai une question à travers tout ça. Oui, bien sûr, parle-moi pendant ce temps-là, je vais essayer de... Tu sais, si moi puis Phil, on décide qu'on se part un peuple, on peut-tu se séparer, puis... genre plus avoir à dealer avec personne d'autre. C'est une question de pays. Genre. C'est une question de nombre d'individus. Genre. Ouais. Y a-t-il un nombre minimal pour avoir un peuple? C'est comment que ça marche? Ouais, c'est vrai que c'est là où. Parce que c'est là qui est le fuck en fait. Ouais. Genre le monde de Longueuil, ils peuvent se séparer en disant on est un peuple, puis le monde de Schlag vont faire bien nous autres aussi on est un peuple, puis là genre 100 ans plus tard c'est des cités-états puis on va partir tout en guerre comme les Grecs faisaient. Oui. Vivre les guerres puniques. Ben oui. En fait oui, mais ça lève un point important que les Catalans pourront pas régler. Puis qui ne seront pas en mesure de régler, mais qui est un point complètement différent. Genre. Ils ne pourront pas arriver à la frontière française. Wow! Esti, mon gars! Sorry! Tu m'as fourré dans la tête! Tu viens de me driller dans le cerveau! Là. C'est complètement plus fort tout à coup! All right. Exactement que ils pourront pas aller à la frontière française puis juste dire genre français mais t'es des drapeaux catalans maintenant, les Français vont dire non, puis la Catalogne va faire un coup à rien parce qu'ils ont pas d'armée, ils ont fuck all. Ça va échouer à la limite quand si de réussir un pays. Mais oui, même si Longueuil veut séparer, Longueuil a clairement l'absolu droit de faire un référendum sur cette décision-là. Après ça, on va rire d'eux. Qu'est-ce qu'on va faire sans Longueuil? Ah,
T'es Chris. On ira plus au supermercado. Ouais. C'est toujours les questions. Du marché au plus gros. Il y a des questions économiques aussi qui font que ça peut marcher ou ne pas marcher. Là. Au-delà de toutes les ressemblances culturelles qu'ils ont entre eux autres, mm-hmm. Je veux dire, c'est une bonne idée business, un peu comme le Canada, par exemple, de faire ça. Là. Il y a toujours cette raison-là aussi. Mais là. En fait, l'idée ici, c'est pas tant la raison ou non que ça échoue, que ça réussisse. C'est le droit ultime de ce peuple-là de décider. Après ça, ils vont peut-être se planter, ils vont peut-être de la calice de merde, puis on va tous les pointer en riant d'eux. Ouais. Mais c'est le fait de, mon Dieu, le fait que de les empêcher, ça vient au final à empêcher aux individus qui vivent là de décider de leur futur. Et donc de contrôler leurs décisions. C'est relent dictatorial. C'est toute l'idée du droit à l'autodétermination, sauf que justement, le problème à travers tout ça, c'est que le droit à l'autodétermination en tant que tel n'est pas une mauvaise chose. Le seul problème, c'est que ça devient un petit peu comme ingérable quand n'importe qui peut se déclarer un peuple. Mais non, je sais pas. Nat, t'as-tu entendu parler du truc le Kékistan sur Internet? Non. Le Kékistan. ça vaut la peine parce que justement, ça vient se rattacher un peu à ça. Avec des draps blancs sur la tête, ça? Non, oh oui! c'est quasiment ça, honnêtement. Là. C'est genre du monde sur Internet. C'était, je pense que ça partit en Grande-Bretagne. Puis, dans le fond, c'est la Grande-Bretagne mettait en place comme des lois un peu de protection pour les minorités ethniques, puis des trucs comme ça. Puis, genre, comme pour faire reconnaître des groupes qui devaient être protégés, comme, mettons, contre les crimes haineux, puis des choses comme ça. Puis, comme, mettons, les Eagles of Death Metal. Exactement. Exactement comme les Eagles of Death Metal. Tabarnak. Eux autres, sérieux, là. Tu sais que t'es arrivé chez... Eux autres, c'est les prochains Elvis, pour vrai. Oh, tu sais, ouais, Elvis, là, quand il commençait à chanter des tunes là, qui tenaient la main des filles, là, Chris, les églises, le colissait dehors les paroisses. Lui, tabarnak, il y a des tueries, esti. Il y a des tueries dans le monde tire. OK, là, pour la prochaine tune, je veux une fusillade. Il a amené le Circle Pit à un autre niveau en tabarnak. Oh, ouais. Tabarnak. Hashtag Bataclan. Mais... Non, c'est ça, avec ce qui se passait avec le Kékistan, c'est que c'est ça, c'est que la définition d'ethnie en Angleterre, ils sont juste arrivés avec genre ben groupe de personnes qui genre se reconnaissent ensemble comme un peuple puis comme un groupe puis comme une, tu sais, comme une minorité, dans le sens c'est juste genre si vous êtes un groupe de personnes qui se définissent comme un groupe puis qui se reconnaissent puis qui s'identifient comme une ethnie puis tout ça, ben vous allez être protégé. Puis genre, c'est pas une mauvaise chose. Le seul problème, c'est que t'as du monde sur Internet qui ont décidé de faire, ben, on va se créer un groupe. Ils ont appelé ça, ils ont appelé ça le Kékistan. Puis c'est genre, sont quelque chose comme 80 000 ou... Oh wow. C'est un petit peu, c'est exactement le même principe que l'église du Flying Spaghetti Monster qui c'est un peu comme faire une joke pour un peu ridiculiser pour pointer les imperfections du système, puis autant comme le système par rapport genre protéger les religions puis des droits spéciaux aux religions dans les pays, c'est genre vraiment fucking weird, mais autant ça, cette espèce de définition là de l'idée de peuple puis de l'identité, genre comme étant quelque chose de seulement genre défini par ta simple opinion subjective, entraîne plein de problèmes au niveau légal puis faut que ce soit niveau politique, faut que ce soit évidemment faut qu'il soit reconnu, mais c'est ça mais c'est que si là à la limite c'est une mauvaise gestion d'Angleterre de reconnaître n'importe qui pour être comme étant peuple. Mais ouais, mais c'est la même chose mettons avec la Catalogne, ils seront pas reconnus peut-être, mais c'est ça exactement, effectivement, mais l'idée ici ce n'est pas nécessairement de les reconnaître. Si personne ne les reconnaît, après, on s'en calisse. Là, exactement. T'as juste à ne pas les reconnaître. Exactement. Comme un peuple. Mais c'est avant même cette étape-là. C'est que là, on les arrête, on vole leur matériel, on les empêche complètement de simplement avoir cette discussion-là entre eux. Mm-hmm. Et c'est complètement autre chose que l'aspect, on pourrait dire, fonctionnel. C'est vraiment un terme de droit individuel même des gens, de décider de leur futur. Voilà, il y a sûrement des gens qui ont peur du débat lui-même en se disant que si jamais, effectivement, mettons, ça va dans une cour telle quelconque, et on veut-tu cette jurisprudence-là? Ben, il y a aussi le fait que l'Espagne,
l'Espagne en général, ça va pas, là. C'est un peu un trou de piste, là. Ouais, en ce moment. T'as juste la Catalogne qui carry, genre. C'est ouais. que si la Catalogne. Ça en va, c'est un petit peu comme le moteur économique de l'Espagne en ce moment, la Catalogne. Puis ils sont écœurés de payer des taxes, puis de payer mettons, le système de santé puis éducationnel du reste du pays. Parce que c'est juste eux qui payent, puis le reste du pays travaille au noir. Fait qu'ils payent pas de taxes. En Espagne, c'est d'un pays de la Méditerranée, là, c'est incroyable le taux de travail au noir. Là. Je pense que c'est des histoires comme de 50% du monde qui travaille au noir. Je sais qu'en Grèce, c'était environ ça. C'était 40 ou 50% au moment de la crise économique du monde qui travaillait au noir. C'est comme... Ton système peut pas fonctionner quand t'as 50% du monde qui paye pas leurs taxes puis qui ont des revenus non déclarés. Non, c'est sûr. Mais qu'est-ce qui explique qu'il y a autant de travail au noir que ça? Là? Pas payer d'impôts. Ben, ils veulent non, juste non, pas non, mais oui, mais... Ah, c'est ça, travail au noir? Ouais, c'est sûr, mais est-ce que le taux d'imposition était genre trop grand? Oui, mais c'est l'Europe. Ah, mais j'imagine ce service-là aussi, là. Moi, il y a plus qu'il y a de monde qui travaille au noir, puis plus que le système d'impôts est genre... Ouais, exact. Exactement, entre autres. Mais l'Europe, tout le temps plus, on pourrait dire, que le reste du monde, là, mais même dans les pays européens, c'était pas dans les pays. Là. Si vous voulez se comparer, il y avait des exemples horribles. Ouais, mais là, on parle, mettons, de pays de l'Ouest. Là. On parlera pas, mettons, du Soudan du Sud, là, pas gros d'impôts qui se payent là-bas. Non, mais dans le sens que... Tu payes les enfants avec des balles dans ce coin-là. Oh! Ben, t'es venu à l'école aujourd'hui? 10 balles, va dépendre de ta mère et ta soeur. Wow! J'ai rien à ajouter. Ça clôt le sujet, hein? On est pas si la Catalogne, là, arrêtez de chialer, tabarnak. J'ai plus de balles, là, du cristal mètre. T'as pas te réveiller à nuit, esti, pour être capable de défendre ta famille. Ouais, parce que, hein, le monde du village d'à côté, ils ont le pénis réchauffé, puis ils ont hâte. Asti! Ils ont hâte de sortir en ville, si vous voyez ce que je veux dire. Tu sais, mec. Je l'ai pas sorti pour l'aérer. Tabarnak. Ouais, on n'est pas si pégassé ici, hein? Mon enregistrement a l'air de fonctionner, finalement. Okay. Hey, c'est nice. Bah, c'est cool qu'on check ça pendant le podcast. C'est cool qu'on check ça pendant. Veux-tu qu'on le passe à notre côté? Parce que je suis sûr que c'est même pas drôle. Bah, c'est pas drôle, on peut skipper, hein. Moi, ça me stresse pas. On pourrait tout effacer ce qu'on vient de faire. Puis on recommence. Enregistrer un autre ou est-ce qu'on enregistre tout avec nos micros dans nos culs? Ah oui! Oh, ouais, là, on parlerait littéralement dans notre cul. Genre. On parlerait littéralement à travers notre cul. Ouais. Je vais voir. Vous connaissiez Raphaël Dénommé? Ouais. Ouais. J'étais allé voir au bistro à Jojo. Puis à un moment donné, il parlait. Puis là, il a juste arrêté. Il s'est levé. Il a pris le micro. Il a chié, genre, dans le micro. C'est que dans tous les speakers, ça fait un gros. Okay. Il l'a redéposé, puis il a continué à faire son show. J'ai trouvé ça absurde en tabarnak. Ouais. J'ai pas le temps de péder, ce gars-là. Si t'écoutes, ben écoute plus, esti. Ouais. Si t'écoutes notre podcast, écoute plus, quoi. Marco avec son Je connais pas, on se connaît pas, on s'est jamais parlé, mais genre, les feedbacks que j'ai eu, j'aime pas la personne qui a été. Hey, boy. Est-ce qu'on se termine ça sur un message de haine? Ouais. Fait que merci tout le monde d'avoir écouté. Passez une belle semaine, sauf Raphaël Dénommé. merci. Pourrait partager si vous voulez. Si vous partagez, si on va faire un petit merci au début. Si vous voulez nous écrire des commentaires aussi, autant, ça va, si vous aimez, si vous avez des commentaires constructifs. Si vous voulez nous dire qu'on est de la stine marde, allez-y. J'ai de la répartie, fait que moi vous répondre à la limite si jamais c'est de la haine. Ouais, puis, si c'est de la haine, si on va te trouver. On va je t'en adresse IP et j'ai envoyé les swats chez puis vous. Puis on va vous acheter des burgers. Ouais, ils vont rentrer chez vous, calice, comme en mode Gestapo, calice, comme tu dirais. Yes, fait que merci, bonne semaine tout le monde. Merci d'avoir écouté. Yeah! C'est ma semaine, calice.